Et bonsoir à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de Shot On Live. Alors aujourd'hui, on est en janvier 2012, c'est quand même pas rien, on a passé la nouvelle année et ça fait déjà, ça fait la 3e année que, si on compte juste en chiffres, que je suis avec vous. J'ai fait 2010, 2011 et maintenant 2012, ça commence à faire un bon paquet de temps. Donc déjà, bonne année à tous et plein de bonnes choses pour 2012, bien entendu. On me dit Sangaren président, je dis, écoutez... il faut, on va voter pour moi, il n'y a pas de problème. Et donc voilà, tous mes vœux, toujours pareil, la santé surtout, et du bon swing, des trous en un en pagaille, enfin tout ça quoi. Avec moi aujourd'hui, nous avons deux personnes. Alors la première personne, c'est Merce, qui est le maître du gang de malades. Alors bonsoir Merce. Salut à tous. Et nous avons aussi notre ami Bruno Seiya, qui est un SOM, qui est aussi fait partie du gang de malades, c'est ça? Tout à fait. Salut à tous et bonne année à tous. Bon, vous allez comment ce soir? Ça va bien la forme, remis du premier de l'an? Avec un peu de mal, puisque en plus, Cher et moi, on l'a fait ensemble. Ça nous a permis de nous rencontrer dans la vie, donc... la rencontre a été difficile. Oh bien, il va falloir nous raconter ça. On veut des anecdotes, on veut tout savoir, on voudra tout savoir. Mais on fera ça juste après. Alors pour commencer, alors déjà je vais commencer à me diriger vers les parties pour aller me rendre dans la room. Tu m'as dit le numéro, je l'ai déjà oublié. Je veux pour 1187. Hop, à cette partie n'existe pas. Combien tu m'as dit? 1187. 1187, tu es sur quel serveur? Le rouge. Tu es sur le rouge. Alors, Attends, je recrée alors. Alors, 1187. Cette partie n'existe pas. Ça commence très bien cette année 2012, les gars. Ça commence super bien. Alors, Je recrée. Je vais vous détailler un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, on va commencer par voir le nouveau Rufus avec Bruno Seiya. Et en même temps, voilà, j'ai une petite liste de ce que va nous présenter Bruno Seiya. Donc, il y a quelques temps libres ou des trous qui n'ont pas changé. Donc, du coup, je vais pouvoir discuter un peu avec Merce, lui faire un peu l'interrogatoire sur sa guilde. Et voilà, je pense que déjà, ce sera la première partie. Ensuite, on va continuer la discussion avec Merce, si c'est pas tout à fait terminé par rapport au petit temps libre qu'on aura pendant le parcours. Et on aura aussi le tirage au sort de la loterie de la course Shot Online. Alors il y a 20 personnes, j'ai ma petite liste sous le nez, il faudra faire le tirage au sort. Et voilà, après des petites news, des petites questions... et puis je pense qu'on aura fait une bonne petite émission. Et on me dit sur le chat que j'étais sur le bleu. Alors je retourne sur le rouge, c'est moi qui ne suis pas réveillé. C'est quoi la boisson que tu t'es servi? Alors ça s'appelle, je ne dirais pas de marque, c'est du Cola Coca. Et il n'y a que du Cola Coca. Et je m'en resserre. Oui. Fais attention parce que c'est tu parles de mon boulot là. Ah bon. Le cola coca c'est ton boulot. Ouais, je suis responsable de production dans une boîte qui fabrique des boissons non alcoolisées, donc les sodas je connais bien. D'accord, c'est pas trop embêtant? Non, ça va. Ça va, ça se passe plutôt bien. Sans alcool, la fête est plus folle. Exactement, ouais. Voilà. Donc voilà, maintenant je suis de retour sur le serveur rouge. Quel est ton numéro de salle, mon petit? 1597. 1597. Et voilà, et nous allons pouvoir... le mot de passe, c'est 1187. Oh, voilà, j'avais mis Sangaren, moi. Excuse-moi, c'est ce que j'avais mis tout à l'heure, mais là, j'ai pas fait gaffe. Et voilà, et c'est bon, nous sommes partis. Nous sommes en route pour Rufus et tout de suite, nous pouvons commencer par t'écouter, mon cher Bruno, parce que là, la parole est à toi. Vas-y, Bruno. Ok. Alors, c'est tout simple. Alors déjà, Rufus, beaucoup de gens disent que c'est un parcours très dur, très technique. Moi, j'ai eu la chance d'être chez les fondeurs, dans la guilde des fondeurs qui appartient à ce parcours pour l'instant. J'ai appris beaucoup et ce que j'ai remarqué, c'est que ce parcours, vu sa technicité,
vous permet après d'aller sur n'importe quel autre parcours, vous apprenez des bonnes bases. Donc Rufus, je le conseille à tout le monde. Allez faire vos classes dessus, du level 50 jusqu'à level 70-80. Vous apprendrez beaucoup pour pouvoir jouer sur les autres parcours. Donc la difficulté de ce parcours, c'est bien sûr le sable. Donc le sable, il y a plusieurs techniques qui rentrent en compte. Oui, parce qu'il y a beaucoup de sable là. Voilà, tout à fait. Donc on a plus de chances de tomber dans le sable que de tomber sur les fairways ou les greens. Donc il y a deux techniques connues à peu près de tout le monde qui sont que quand vous tombez dans le sable en approche, c'est tout simple. Vous prenez votre SW quand vous avez une approche entre 0 et on va dire 15 yards. Vous prenez la distance que vous avez, vous la multipliez par 2. Pour l'instant, c'est tout simple. Vous rajoutez 2 bacs à votre balle. C'est-à-dire le point rouge, vous le descendez de 2 crans vers le bas. Et après, vous rajoutez 10% à ça. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une distance, je vais vous donner un exemple de 10 yards. Vous multipliez par 2, ça fait 20 yards. Vous mettez vos 2 bacs, 20 yards plus 10%, donc ça fait 30. Ça fait 30% en tout. Vous tapez au SW 30%. Ça, c'est de la technique. Ça, c'est la première technique de base. Après, en fonction des clubs que vous utilisez, donc ça, c'est pour tous les clubs de base qu'on connaît, qu'on trouve sur Item Shop. Après, ceux que vous trouverez en achat aux enchères, style Hurricane, Tornado, Tempête. Donc moi, ce que je vous déconseille pour Rufus, c'est Hurricane. Hurricane et Tornado, parce que ce sont des jauges très, très rapides. Donc beaucoup de gens partent sur Rufus avec le SW Verlandi, qui a une jauge très lente. Bon, c'est un choix de beaucoup de joueurs. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais utilisé. J'ai utilisé soit des tempêtes, soit Uri, qui était très rapide, mais j'ai appris beaucoup avec ça. Et maintenant, j'utilise le CTL en SW. L'avantage du CTL, c'est que vous avez simplement un pourcentage à rajouter. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez joué sur Rufus, vous rajoutez, vous essayez de trouver votre pourcentage qu'il faut rajouter à la distance. Et moi, personnellement, avec le SW, je rajoute entre 7 et 8% à la cote de distance. C'est-à-dire, si vous êtes à 10 yards, vous rajoutez 7%, ça fait 17%, vous tapez 17%. Voilà. Sympa. Vous tombez pratiquement autour du drapeau à une approche assez courte. Donc voilà. Sinon, j'ai entendu parler, vu les. Ah, on en a perdu un, ça y est, on en a perdu un. Ah, la connexion, c'est fou. Alors. Ah, il est de retour. Ah, ça y est, t'es là. Ah, je suis de retour. Ah, voilà. Bon, on en avait perdu un, hein. Voilà, c'est les misères de Skype, mais c'est bon, t'es de retour. Donc, tu nous disais. Donc, j'ai découvert sur le forum, là, cette semaine, que la bête avait fait un post pour expliquer Rufus, hein, donner ses conseils. Et il conseillait les nouveaux fers qui sont sortis il y a quelques mois, là, les fers verts spécial bunker, spécial herbe haute, des choses comme ça. Mm-hmm. Donc ces sandwich-là, il est conseillé très fortement pour jouer sur Rufus. Donc par contre, j'ai perdu le nom, j'espère que Max, tu vas pouvoir m'aider sur ce coup-là, parce que je ne me rappelle plus. Alors ça, il me semble que c'était des clubs colorés spéciales, qui avaient voilà, des spéciales bunkers. Et... Voilà. Bon, et eh ben écoute, on te regarde. Ben, du coup, tu as l'excuse de pouvoir nous faire un bunker d'entrée pour pouvoir nous montrer tes techniques. On t'en voudra pas. Vous inquiétez pas, moi ça va faire. Depuis la mise à jour, j'ai joué 3-4 fois dessus, la nouvelle version de Rufus. Donc, j'ai pas retourné dessus. Donc, sur le trou numéro 1, rien de compliqué pour tout le monde. Au départ, les petits levels, on tape au fer 9. Moi, à mon niveau, je suis au PW, donc vous voyez le rond qui est légèrement supérieur au trou. Donc, VG backspin. Il y a le décalage du vent. Donc, il y a une charte qui existe sur le forum et sur différents forums des guildes qui permettent de savoir le décalage du vent. Il y a aussi la rose des vents qui existe. Donc vous vous servez de cette charte-là. Qui sera, si personne ne l'a, contactez-nous, on vous la donnera sans aucun souci. Bon, et ben c'est parti, on tape. Donc le premier trou. Voilà, donc là, vu ton niveau, donc comme tu disais, tu es au PW, et sinon il faut taper au fer 9 pour les entrées de niveau. Non. Bon, et ben du coup, un bunker, bravo, un premier bunker. Non. Donc là, 6,6. Donc comme je vous disais, deux fois la distance, ça fait 12%.
Ouais. Vous mettez vos deux bacs, 22%. Vous décalez légèrement. Mais là, vu que tu es avec tes CTL, tu dis que c'est pas tout à fait pareil, non? Tout à fait, tout à fait. Mais là, on approche très courte. On approche très courte. Vous allez voir, mon CTL va très très vite. La jauge va très très vite. Donc, choper pile poil, moi, normalement, je devrais rajouter, je devrais être à 15%. Vous allez voir, avec le CTL en distance très courte, ça va être très très chaud là. Donc vous voyez, j'ai tapé, ça va nous dire, normalement j'ai dû taper 18%, j'ai loupé légèrement en zéro. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, on le voit. Voilà. Donc, je ne suis pas spécialement loin du trou, donc moi cette technique-là marche très fort. Ah, mais si je me rappelle bien, c'est Jules des SOM qui me l'avait appris quand je suis rentré sur le jeu. D'accord, bon. Eh ben, c'est une bonne technique à savoir. Écoute, et là, bon, on est sur le trou 2 et tu me dis, enfin, on a un nouveau green, c'est ça? Tout à fait. Donc là, le nouveau green, bah, c'est tout simple. Hein, c'est qu'il a été rajouté des arcs pour faire un petit peu de difficulté. Avant, c'était, tout, c'était libre. En partie haute, on les voit très bien en arrivée de green. Ça, on ne les avait pas avant. Donc voilà la nouveauté sur le numéro 2. Rien de sinon, rien de changé à ce niveau-là. Donc vous avez plusieurs techniques pour passer. Donc vous avez cette technique-là qui à mon niveau qui arrive ici. Pour le plus petit level, on va essayer de le faire. Voilà, vous pouvez tomber ici. Et le risque, c'est que maintenant les palmiers qui ont été rajoutés ici sont légèrement plus hauts qu'avant. Alors il faudrait expliquer un tout petit peu, Bruno, parce que en étant en mode spectateur, moi vu que c'est moi qui filme, on voit pas ce que tu montres. Donc, du coup, voilà. Alors, si vous regardez sur la mini-carte qui est à droite, vous avez le fairway qui est en forme de rond juste à côté de la rivière. Mm-hmm. Et ça, c'est pour les levels jusqu'à 50-55. Vous pouvez, en fonction du vent, arriver à ce niveau-là. Sinon, le plus souvent, ce qui est conseillé, c'est de tirer en face sur le plus grand des fairways qui a une forme de R, de petit R. C'est là-dessus qu'il faut aller pour pouvoir aller après en deuxième coup, voire troisième coup, aller sur jusqu'au green. Et sinon, quand on est un level supérieur à 70, on peut aller directement sur juste après le rond qui est sur votre droite complètement en longueur. Et là, vous y allez sans aucun souci. Ok. Bon, et là, du coup, toi, avec ton niveau 99, au fond. Je vais à droite, je vais pas à gauche. Alors pourquoi? Ça c'est simplement une habitude. Beaucoup de joueurs pourront dire qu'ils préfèrent jouer à gauche, et c'est surtout en fonction de l'arrivée du drapeau. Moi je la regarde pas spécialement. C'est arrivé puisque le drapeau peut être en début de green. Le plus souvent le drapeau, c'est comme le green est en forme de croix, et on va dire 60% des cas est au centre de la croix. Donc c'est plus facile. Donc, si on passe par la droite, c'est plus facile. Pour moi, c'est plus facile puisqu'on arrive plus court au niveau du drapeau. Allez, hop, bah c'est parti. Et puis on me dit que Merce est d'un silence absolu. Ah ben, je vous écoute, moi. Ah, enfin, on écoute surtout Bruno, et qui nous fait des superbes coups. Alors, hop, et il est sur le green, c'est très beau. Bravo. Bravo. Merci. Et voilà, bon, après, ici, c'est vrai qu'on n'est pas trop pour expliquer les putts. Alors après, oui, peut-être que donc le green, la pente change un peu sur le green, mon cher Bruno? Non, sur le green, hein, ce que j'ai remarqué, c'est que sur le Rufus, à part certains trous que je vous expliquerai plus tard, les greens n'ont pas changé. Hein, les pentes sont toujours les mêmes. Il y a simplement la définition du jeu qui a changé. C'est-à-dire que l'orange est moins criard. La pelouse du green est différente et plus accessible aux yeux. Et sinon, les pentes sont toujours les mêmes. Ça n'a pas évolué à ce niveau-là. Donc, pas de soucis spécialement là-dessus. Je cherche pas spécialement à rentrer les balles. Bon, c'était... Bon, là, tu la mets, mais bon... Voilà, quoi, c'est de la chance, hein. C'est de la chance, je ne te cache pas. Parce que moi, Rufus, comme je vous dis, il y a longtemps que je n'ai pas joué dessus. Donc, voilà, quoi. Donc,
Donc là, le trou 3, pas de changement à part graphique, sinon aucun changement à ce niveau-là. Voilà, bah écoute, je vais commencer à te poser une petite question à Mers, là, en attendant que Bruno nous joue ce trou-là. Ouais. Donc déjà, bonsoir, Mers. Salut, bonsoir à tous, bonne année. Oui, bonne année aussi à toi. Et donc, je vais refaire un petit topo. Donc, tu es le maître des gangs des malades. Ouais. Alors, gang de malades, c'est... alors, c'est quelle classe, quel niveau, combien de membres ? Vas-y, fais-nous un petit topo, vite fait, pendant que on avance un peu sur la vidéo. Bah, écoute, on est classe S. Nous sommes... c'est une bonne question, je ne me souviens plus. 45, merci Bruno. Et la grosse particularité de notre guilde, c'est que c'est une guilde avec des rencontres intergénérationnelles, puisque ça va de le membre le plus jeune à 10 ans et le membre le plus âgé à 61 ans aujourd'hui. Oh, bah bon anniversaire, qui sait. D'ailleurs, si je peux me permettre, ouais, je voudrais souhaiter un très très bon anniversaire à Chanty. Chanty, c'est le surnom de Anne 521 qui fait partie de ma guilde, parce que, alors oui, il faut que j'explique aussi, une des particularités de ma guilde, c'est que chaque membre qui entre reçoit un surnom. D'accord. C'est voilà, donc, sympa, ça. Voilà, ouais. Alors, c'est un surnom, alors, si je peux continuer, c'est un surnom qui est issu du Livre de la Jungle. Chanty. Alors, j'ai pas souvenir dans le Livre de la Jungle. Alors, il y a des gens qui écoutent, je suis sûr qu'ils pourraient beaucoup nous aider sur le Livre de la Jungle. Mais, c'est quel personnage Chanty dans le Livre de la Jungle? Alors, Chanty, c'est la petite fille du Livre de la Jungle, la petite fille qui rencontre Mowgli. D'accord. Et, donc voilà, Anne 521 a ce surnom et, on a tous l'habitude dans la guilde de l'appeler Chanty. D'accord. Ah bah, c'est super ça. Bon anniversaire à Chanty de la part de tous les membres. Je sais pas si elle nous écoute, mais joyeux anniversaire à toi. Bon, et eh ben c'est super. On me dit aussi dans la chatroom que tu lui as rajouté un an de plus, que c'était 60 et pas 61. C'est pas bien de faire merde. Ça. Ah ouais, merde, comme tu dis. Plus pour une femme, c'est... Ah ouais, non, c'est horrible, ça. C'est le plus mauvais anniversaire qu'on lui aura souhaité, tu sais, ça. Bravo. Franchement. Non mais vrai, ça l'aurait plus apprécié, quoi. Vraiment super, donc j'imagine qu'il y a une super ambiance dans cette guilde et beaucoup de communication. Et écoute-moi, j'aimerais si tu me permets de parler un peu de ma vie privée. J'ai rencontré quelqu'un sur le jeu d'ailleurs, si tu veux, on en parlera tout à l'heure. Ah ben oui. Et son fils a son anniversaire aujourd'hui, donc il écoute actuellement et je voulais lui souhaiter un joyeux anniversaire. Donc bon anniversaire Romain. Bon, ben c'est la fête aux anniversaires, c'est fou. Ben bon anniversaire Romain aussi, bon anniversaire Chanty, et puis bon anniversaire pour toutes les personnes à qui c'est l'anniversaire aujourd'hui d'ailleurs aussi. Et puis c'est le festival des anniversaires. T'es bien tombé de venir aujourd'hui du coup. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc voilà, Romain a 6 ans et voilà, bon anniversaire Romain. Bon. Et je te fais un bisou. Bon, super, hein. Futur golfeur Romain, on espère. et voilà. On va essayer. Il faut convertir. Bon, alors on va reprendre vite fait un peu avec oui. Bruno qui nous dit, alors ici, Bruno, que faut-il faire au trou 4 de Rufus? Alors, au trou 4 de Rufus, plusieurs possibilités en fonction de son level. Donc, le level de base qui découvre Rufus va tirer tout droit au plus simple et essayer d'aller au plus loin possible, c'est-à-dire sur la partie ronde au bout du premier fairway. Ça, c'est le premier passage possible. Dès qu'on atteint un level 70-75 avec un vent favorable, on peut atteindre le début du deuxième fairway. Mais pour ça, il faut déjà avoir un talent 85-90 de talent minimum pour pouvoir atteindre le deuxième fairway. Après, dès qu'on atteint des levels supérieurs, dès qu'on est en full, on peut passer en bout du deuxième fairway. Et puis, dès qu'on est level 95, à partir du level 95, avec un vent très favorable, on peut atteindre le green, mais il faut être déjà bien staté, c'est-à-dire minimum 180 en talent.
Donc les différents passages, là malheureusement, comme d'habitude sur Rufus, les vents sont pas de mon côté, donc on va essayer de le jouer en bout de deuxième fairway. Si j'avais eu des vents favorables, j'aurais pu essayer de vous montrer comment on allait sur le green. Malheureusement là c'est pas le cas, donc on va la jouer simple. J'espère arriver sur le deuxième fairway, c'est-à-dire effet maximum à gauche. Et malheureusement, j'ai du mal. Non, c'est bon, ça va le faire. Bon, voilà. Bah si, ça passe, à l'aise, tranquille. Bravo. Oui, ça passe tranquille, ouais. Donc sur Rufus, ce qu'il faut savoir, et ça, c'est ce que se plaint beaucoup de level 100 à cause de leurs tests en ce moment, c'est-à-dire que Rufus, eh ben, c'est toujours du temps pas facile. Alors, déjà que le parcours n'est pas facile. Et donc maintenant, il y a le vent depuis, on va dire, depuis 6-7 mois, où le vent est arrivé sur CAD, sur les gros parcours, est arrivé un peu difficile. Mais bon, on y arrive quand même. C'est une question d'habitude à force. Donc, pas trop de soucis à ce niveau-là. Sinon, pas de changement sur ce trou-là. Pas d'évolution à part graphique. Bon, ben écoute. Manque de chemise, c'est bon. Voilà, et puis j'avais une petite question quand même, parce que bon, tant qu'à rentrer un peu dans les secrets de la guilde, j'aimerais savoir votre petit surnom à vous deux aussi, si c'est pas privé. Ah oh non, non. Oh non. Bah, pas du tout. Non. Vas-y, commence, bon. Le chef va commencer. Alors moi dans la guilde, je suis Sherkan le tigre. Ah ouais, non, mais ça tombe bien autour de du livre de la jungle en fait. Ah oui, oui, complètement. Chaque membre qui rentre, je lui choisis un surnom issu du livre. Donc on a toute une liste. Alors je t'avoue qu'aujourd'hui, on commence à être un peu court en surnom, mais pour l'instant, bah, ça fonctionne bien, quoi. Bon, et donc j'ai super. Eu l'honneur de choisir le surnom de Bruno. Alors moi, je vais parier sur Balou. Eh ben. Je pense que t'as triché un petit peu. Ah ouais, bon, je l'ai vu passer dans la chatroom, mais bon, au ouais, final... Ouais, c'est ça, ouais. Alors moi... Je suis l'ours gentil, ouais. D'accord. Eh ben, écoute, alors, c'est vrai que ça, j'en ai entendu beaucoup parler dernièrement de ça, mais je pense que pour justifier ton petit surnom, il faudrait aussi nous mettre la webcam et nous faire la danse de Balou. La fameuse... Non, je peux pas te faire. Alors... Avec une noix de coco et les fourmis, je pense que ça serait... Bon, alors déjà, avec Paula Creamer, tu peux nous faire un petit coup de danse de Balou. Mais bon, sur ce trou 5, apparemment, pas trop de changements, donc on va continuer à parler un petit peu. Mm-hmm. Et, ah ouais, tu vois, là, dans la chatroom, j'entends tout le monde qui disent « Oh oui, 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 la webcam !» Ah ben, il faudrait... On attend Bruno pour nous faire la danse de Balou en live. Ça serait un moment unique, je pense, sur Shot Online. Non, il y a déjà des vidéos qui traînent et que j'essaye de détruire pour éviter, pour garder une certaine réputation, donc je ne vais pas en rajouter. Des vidéos qui traînent. Alors ça, c'était le truc à pas dire. Donc voici le fil rouge de la soirée. Alors dans la chatroom, si vous m'entendez, le premier qui poste le lien d'une vidéo de Bruno Seiya en train de faire la danse de Balou, il aura un cadeau. Je ne sais pas quoi, Elle existe. Mais si... Non, déconne pas, parce que je te signale. Alors qui t'a balancé cette vidéo qui est tout à fait faisable à récupérer sur notre forum Gang des Malades, ouais. Forum actif, forum gratuit, exactement, c'est gangdemalades.forumgratuit.fr. Sur ce forum-là, la vidéo est disponible, et vous allez voir Sherkan et moi-même en train de danser, vous allez échanter. Donc, à un moment mémorable. Non, faut pas faire ça, fais pas ça. Bon, ben écoutez, le premier qui rend public cette information sur la chatroom, ben je donnerai un petit cadeau, je noterai le nom et puis on s'occupera du petit cadeau plus tard. Voilà. Bon, trou 6, changeons de sujet maintenant que nous avons lancé ça. Trou 6, voilà. Pas de changement spécifique sur le parcours en lui-même, mais par contre, changement au niveau de l'arrivée du green. Un green beaucoup plus difficile qu'avant, puisqu'il a été rajouté l'anneau qui équivaut l'arrivée de green comme ça, on le retrouve sur Alphem, le même aspect. Sauf que celui-ci, 14-18 a dû passer par ici, parce que le green est vraiment maintenant bosselé encore plus qu'avant. Les bords de green sont carrément pentus, donc si vous faites une mauvaise arrivée, et ben là vous êtes très très mal, parce que vous vous trouvez obligatoirement dans le sable, et c'est vraiment pas facile. Le trou 6,
est une des grosses difficultés. Il y a deux trous comme ça qui ont été changés sur Rufus, et pour moi, ont augmenté la difficulté du parcours. D'accord. Bon. Je suis désolé si j'ai eu mal à garder mon sérieux, mais la vidéo vient d'être rendue publique et je suis mort de rire. Donc... j'essaye de garder ta crédibilité, Bruno, pour le reste, mais je ne t'assurerai. Ah, là, c'est mort. Là, c'est, je suis foutu. Alors, on va dire... Alors, c'est Icar 3 qui nous a trouvé... Qui nous a trouvé. Alors, je ne sais pas si c'est son pseudo. Enfin, bon, Icar 3, tu peux m'envoyer. Icar 3, c'est son perso, et son pseudo, c'est son nom dans la guilde, c'est Tu-U. Tu-U. D'accord. Voilà. Bon, et bien, Icar 3, voilà. Ça, bon, comme ça, on aura fait gagner un gang de malades. Voilà, c'était bien. Il fallait venir. C'était ce soir qu'il fallait venir assister. Mais, et puis, pour tous ceux qui n'ont pas eu un cadeau, je vous invite à regarder cette vidéo parce que ça vaut tous les cadeaux du monde, je pense. Et ça va égayer votre soirée pour un moment. Alors, nous avions eu Barnes avec... Ah. Un truc comme ça, si je me souviens bien. Alors, Barnes, il avait une phrase mythique et toi, tu auras donc la vidéo mythique. Alors, je tiens à rappeler, parce que bon, quand même, il faudrait pas que ça parte trop loin dans les archives. Barnes, vous avez sorti cette phrase mythique, plus on frappe moins fort, moins ça va plus loin, qui était quand même la phrase la plus mythique qu'on ait jamais sortie en live, et je tiens à la rappeler. Voilà, donc ce petit cercle de green, c'est vrai, du coup, c'est pas facile, parce que là, maintenant, du coup, t'as une chance sur deux de te retrouver entre les deux cercles, quoi. Tout à fait, tout à fait. C'est souvent le cas. Pour s'arrêter sur le green, en plus, maintenant qu'il est bosselé, donc même si on fait un effet rétro pour arriver sur le green, pour vraiment bloquer la balle, il suffit qu'on prenne une mauvaise bosse et puis la balle part quand même dans la partie sable cercle. Donc, plus souvent, vous tombez dans le sable. Donc là, il faut vraiment vous entraîner sur le practice en sortie de bunker pour vraiment appréhender Rufus si vraiment vous avez des difficultés. Parce que celui-ci, vous êtes sûr de tomber, on va dire 80% du temps dans le sable, à moins d'être très très bon, comme certains joueurs le sont sur le jeu. Ils se reconnaîtront, parce que ces joueurs-là sont exceptionnels. Quoi. Dans ce cas-là, par exemple, j'ai parlé de Sébastien 1977 sur Rufus. C'est quelqu'un qui est très très bon. Et vous avez aussi Rêve Prodige, qui n'est pas mauvais, si je me souviens bien. Quand il rentrait chez nous, chez les fondeurs, avant d'aller chez les OCB, il avait bien appris sur Rufus. Bon, donc vous voyez, il est vraiment très très bossé, ce green-là, il est vraiment compliqué. Donc sur Rufus, au niveau approche, pas de technique particulière, au niveau du putt, je veux dire, bien regarder les lignes. Et un point important sur Rufus, toujours regarder ses pieds, la position de ses pieds. Ça donne le dévers ou la montée ou des choses comme ça. Donc, c'est très important de le savoir aussi. Ça joue sur vos approches. Bon. Là, je suis sur la partie green. Vous voyez, je suis en dévers. Mais quand j'étais sur la partie sable, j'étais légèrement monté. Et j'ai pas fait attention sur mon approche. C'est pour ça que je me retrouve à 3,2. Donc, je sais pas si... Oh là là. Voilà, la catastrophe. Lamentable. Oh là là. 3,2, je suis vraiment pas bon. J'ai dit que je ferais pas spécialement un score, mais... Bruno, si je peux me permettre, ça balance sec sur le chat. Oui, je lis du coin de l'œil, mais j'ose pas. Mais c'est pas. amical. Ah oui, complètement, oui. Allez hop, c'est bon, la balle est dans le trou. Bien joué. C'était le trou. Le pire de tout, c'est qu'à la fin de ce parcours, à la fin du 18, je vais être en bonus, donc c'est impressionnant, quoi. Le bonus, ça c'est pas mal. En plus, il y a double XP ce soir, donc pensez-y, double XP à partir de 19h jusqu'à 21h. Eh ben, ça va commencer en 10 minutes, hein, donc il y en a qui vont continuer, à mon avis, à nous écouter en même temps qu'ils feront le double XP. Enfin, j'espère, ne partez pas tous en même temps. Restez un peu avec nous, écoutez-nous en même temps, vous pouvez mettre en arrière-plan. Donc, waouh. Ici, sur le numéro 7, donc beaucoup de changements. Alors, je m'explique. Le début, le fairway, ça n'a pas changé. Mais l'arrivée, le green, beaucoup plus petit. Des murs sont apparus, des arbres sont apparus qu'il n'y avait pas. Il y avait des petits cactus à ras du sol qui ne gênaient vraiment pas du tout. Et maintenant, l'arrivée est complètement changée. Elle est, on va dire, il y a à peu près 50% du green qui a disparu.
et il est devenu bosselé alors qu'avant il était très plat comme le 14 de KDG. Donc là ça a vraiment gros changement sur celui-ci. Pour moi, pas plus de difficultés que ça, à part que l'arrivée est plus courte. Donc deux possibilités, soit vous mettez dans le sens du vent ou pas, c'est en fonction des gens. Je suis pas assez balèze pour vous expliquer les techniques. Moi, je vais aller jouer tout simple, je vais essayer d'arriver sur le green. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose. Bon, l'avantage, c'est qu'à partir de mon level, avec des stats, moi je suis à 198 de talent avec les vêtements à stats, j'arrive pratiquement le vent. Dans le talus. Dans le talus. Donc là, ça va me permettre de vous expliquer, bonne technique. Donc, je ne sais pas si vous me voyez me tourner ou pas. Quand je me tourne, non, est-ce que non. Vous voyez que non, du tout. On ne voit pas te tourner. Donc quand vous êtes en pente comme ça, il y a une seule technique que je conseille à tout le monde. C'est voie 5, vous tapez la distance. C'est-à-dire que là, vous avez 29%, vous tapez la distance. Vous ne cherchez pas plus. Oula, et désolé. Voilà. Superbe. Bravo. Ah, un peu loin. Oh, dommage. Dommage. Bon, ça c'est pratiquement partout. Quand vous retrouvez vraiment l'inclinaison, vous pouvez vous retrouver aussi comme ça sur Ella. Sur Ella, où il y a certains greens, où l'arrivée, quand vous loupez le green, vous retrouvez carrément dans les pentes difficiles. Vous prenez le bois 5, vous tapez à la distance, vous êtes sûr d'arriver, de remonter et d'être pas loin du drapeau. Et avec un peu de chance de la rentrer, s'il n'y a pas de vent, s'il n'y a pas de décalage à faire, ça rentre tout seul. Donc l'avantage, les erreurs me permettent de vous expliquer des petites techniques comme ça qu'on a sur le jeu. C'est, tout ça, c'est des anciens qui ont appris. Hein. C'est en force de jouer avec tout le monde, des petits conseils entre nous. Après, tout expliqué sur chaque technique de chacun. Sur le forum, il a été ouvert un post dernièrement par, si je me souviens bien, par CAC Club, qui a ouvert un post qui a été finalisé par d'extension un modo de chez nous. Qui a refait la présentation sur tous les tutos qui peuvent exister, essayer de regrouper. Donc, si des gens en ont des tutos, pensez à le mettre à la suite de ce post, ça permettra de l'enrichir. Ce qui est très bien, parce que c'est vrai que pour la petite histoire, c'est vrai que ce tuto est arrivé après des suggestions où on avait donc dans l'idée de, enfin moi j'avais dans l'idée de lancer des vidéos tutoriels en 10 vidéos, des sortes de petites leçons de base. Et en fait, ce tutoriel va bien plus loin que ça. C'est du tutoriel avancé pour débutants. Donc ça sera très utile. Ça fera pas doublon avec les vidéos que je vais bientôt préparer, parce que les vidéos, ce sera vraiment les premières approches, et là on rentre quand même, il y a les premières approches plus il y a du tuto avancé pour les débutants qui ont vraiment envie de découvrir plus loin le jeu, et je trouve ça vraiment très intéressant. Alors il va falloir que une fois que ça sera, parce que là c'est encore en cours de gestation un peu, mais je pense que ça sera bien de mettre ça bien en avant après sur le forum, parce que c'est vraiment très complet jusqu'à maintenant, et je pense que ça le sera encore plus d'ici peu de temps. Donc très bien, super, bravo les gars. On essaye de. Ce que je remarque, c'est que depuis ton arrivée, c'est pas pour te faire des fleurs, mais depuis ton arrivée, quand même, le jeu a. On le dit peut-être à chaque émission, mais le jeu a bien évolué dans le bon sens. Et tu essaies de faire bouger un peu ce forum. Là, tu viens de mettre en place une charte sur ce forum. Parce que c'est parti un petit peu en live, on va dire, de temps en temps. Donc, non, mais. Il fallait en mettre une, de principe, très rigolote d'ailleurs. J'ai bien aimé ton humour. C'est la Gestapo qui arrive, attention, ça va saigner. Non, c'est pas le cas. Ce que j'ai remarqué, c'est que dans la charte, c'est pas du tout le cas. Quoi. Pardon. Pour en revenir à Rufus, donc le trou numéro 8, donc il a changé au niveau arrivée de green. Donc là, le green aussi a changé. C'est-à-dire qu'il était séparé en deux. Donc vous avez deux arrivées possibles, soit sur la première partie du green qui est en longueur, soit une deuxième partie de green. Donc sur la première partie du green, alors attention, il y a une montagne, c'est-à-dire que le green a deux hauteurs différentes.
Donc il ressemble un peu aux arrivées sur certains trous de Token Tado, où vous avez des arrivées de clean qui ont des différences de montée d'environ 1 mètre. Donc là, c'est un peu le même cas. Bon, là, la chance que j'ai, c'est que le drapeau est sur la deuxième arrivée. Donc c'est un peu plus plat, là. Sinon, les autres changements sur ce truc-là, sur ce trou-là, c'est les arbres que vous voyez sur la gauche de la pyramide. Ça a changé. Bon, ça gêne pas pour le jeu. Donc les levels supérieurs à 80 avec un vent portant comme celui-ci peuvent passer au fer 4, à partir du fer 4, et passer avec un effet à gauche. Et sinon, la plupart du temps, vous passez avec un effet à droite. Alors, petit level, on commence au drive et on arrive sur les premiers fairways que vous trouvez. Et plus vous montrez en level, plus vous verrez que vous pouvez atteindre facilement le green. Bon. Donc, voilà. Après, à savoir sur celui-ci, rien d'autre de spécifique. Eh bien, c'est parti. On shoot et c'est parti. Donc, là, on va rigoler un peu parce qu'avec ce vent-là, j'ai bien peur de l'arriver. Ça va être un peu long, peut-être bien. Oh, il y a des chances. Oh oui, très très long chances. Même. Ah oui. L'avantage sur Rufus, c'est qu'on ne peut pas être obé. Ou si on est obé, c'est vraiment qu'on a fait une... C'est que tu as tapé fort. Voilà. Donc, une autre technique que je vais vous apprendre aussi, là, en cas concret, quand vous êtes en descente comme ça, donc là, elle n'est pas trop impressionnante, cette descente, mais il y a des fois où vous vous retrouvez vraiment à pic dans l'autre sens. Comme moi, tout à l'heure, j'ai été dans l'autre sens en montée. Quand vous êtes à pic dans ce sens-là, ce que vous faites SW. Quand vous êtes à une distance raisonnable, vous faites backspin à fond. Et vous multipliez donc, même type d'approche, la distance par deux. Donc là, ça fait 24. Et vous enlevez 5%. Donc ça fait 19. Donc là, normalement, on va arrondir les choses, je vais taper 20%. Donc, normalement, en backspin à fond, 20%, en étant descendant, je ne devrais pas être trop mal. On va voir si ce que je dis est vrai ou pas. Eh ben non. Alors voici la technique qu'il ne faut pas faire. Alors quand on vous dit de retirer 5%, d'ajouter 10%, alors n'écoutez pas Bruno. Dans ces cas-là, écoutez plutôt Sangaren qui vous dit d'utiliser la technique qui s'appelle à la louche. Quand vous ne savez pas comment tirer, vous vous dites, alors à vue d'œil, il y a à peu près 30% et vous y allez franco. Parce que si on écoute Bruno, qu'on commence à calculer pendant une demi-heure, on s'en sort pas et puis on fait un autre bunker. Donc, c'est pas gentil, mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Bah, l'avantage, tu vois, là, ce que tu viens de faire, c'est dans la gang, ça chambre à fond. C'est en permanence, on se chambre. Et hier soir, on a eu une nouvelle arrivée dans la guilde et c'était une fille. Aussitôt partie. Elle a eu beaucoup de mal. Son entrée a été phénoménale. Mais non, elle a été sympathique, son entrée. Alors, comment s'appelle cette personne, d'ailleurs ? Comment s'appelle votre nouvelle recrue ? Alors, elle a un nom d'apéro, donc elle s'appelle Krusty. Oui. Comment ça ? Krusty. Eh ben, on peut dire ben bonjour, je sais pas si elle nous écoute, mais bonsoir et bienvenue dans la gang des malades à Crucis. Et puis ce n'est qu'un dur moment à passer, ça deviendra sûrement bien plus dur après, mais il faut pas te le dire. Voilà. Mais voilà, bon, du coup là on est trou 9, il y a pas trop de changements. Il y a pas de changement. Donc tout le monde connaît les différentes techniques de passer. Bon, je vais donner un conseil pour les petits levels. Les petits levels, il faut jouer sur le fairway à gauche. Dès que vous êtes un level supérieur à 90, vous revenez au fairway à gauche. Et quand vous êtes entre les deux levels, vous essayez de choper le S qui est sur la droite en mettant en effet 3 heures. Et vous essayez d'aller sur le S à droite et vous réglez votre rond dessus. Voilà. Sinon, rien à savoir de particulier sur ce trou-là. Il n'y a pas eu de changement. Ok, donc, bon. Si tu as des choses à annoncer, tu peux. Ah non, mais moi j'ai toujours plein de choses à demander à Merz. Ça devient très intéressant cette discussion. question suivante. Oui. Non, mais bah, par exemple, bon, alors, on a déjà parlé un peu de la guilde, l'ambiance qu'il y avait un peu. Est-ce qu'il y a une organisation particulière ? Comment vous vous retrouvez ? Est-ce qu'il y a, je sais pas, vous avez que sur Skype ou si vous avez un TeamSpeak ou quelque chose comme ça ? Comment ça se passe ? Non.
Non, on se retrouve. Certains qui ont Skype, on se retrouve sur Skype en jouant sans problème. Maintenant, on a des membres qui ont peut-être un peu de mal et qui ont pas forcément l'habitude de Skype et on se retrouve simplement sur le chat guild et puis on s'éclate quoi. D'accord, bon, bah super. Et puis donc ouais, comme tu dis, pareil, bonne ambiance. C'est vrai que au niveau nombre, je sais pas. Après peut-être que je me trompe, mais c'est vrai que vous par rapport aux autres guildes qu'on a reçues dans l'émission, je pense que vous êtes la plus petite de toutes les guildes qu'on a reçues. En oui, taille, après peut-être pas en niveau, mais. Alors moi, je voudrais préciser quelque chose. C'est vrai qu'on n'est pas très nombreux. Le problème est simple, c'est que on fait pas de recrutement, si tu veux. D'accord. Et c'est à force de jouer avec les gens, donc tous les membres sont susceptibles de recruter quelqu'un, mais ça ne se fait que sur des appréciations, en jouant, en ressentant un peu les personnes, le personnage, et puis. On reste, on n'est pas recruteur avant tout. Il n'y a pas de recrutement chez nous, tu vois. Bon, c'est surtout venir, ceux qui veulent viennent. S'ils veulent rester, ils restent. S'ils veulent partir, ils partent. Il y a aucun souci là-dessus. Je voudrais simplement préciser que dans ma guilde, tous ceux qui sont venus sont restés. Oh, c'est beau ça. Voilà. C'est un peu comme dans le Bienvenue chez les Ch'tis, quand on arrive dans ta guilde, on pleure deux fois quand on arrive et puis quand on repart. Exact, c'est un peu ça, ouais. Voilà. J'ai un membre en particulier, bon, je vais pas le citer, ça sert à rien, mais il se reconnaîtra, voilà, il a voulu partir, va vivre ta vie sur Shot Online et finalement il est revenu, quoi. Bon. Non, mais on a franchement, on se prend pas la tête, on joue, on s'amuse, on délire beaucoup, on se branche beaucoup. Il y a beaucoup de sur le chat guild, il y a beaucoup de sujets qui font que on est tous en train de se brancher, mais ça reste, c'est avant tout une guilde conviviale, avant tout. Bon, super. Eh ben écoute, on va revenir sur la convivialité dans une minute, le temps que Bruno nous explique ce petit trou 10. Sans problème. Alors moi, je viens de voir sur le chat que Steph 38, excuse-moi de décorcher ton pseudo, il demande pourquoi Rufus est devenu trop difficile et j'aimerais savoir pourquoi. Donc moi, personnellement, l'ayant pratiqué pendant 2 ans chez les Fonfons, je trouve pas qu'il est plus compliqué. La Rufus, c'est il faut le pratiquer, il faut y jouer, c'est vrai. Donc il y a beaucoup de parcours qui ont été abandonnés et Rufus a fait peur beaucoup à beaucoup de gens. Mais au contraire, plus vous y jouez, plus vous allez apprécier Rufus. Donc sérieusement, il n'est pas plus difficile qu'avant. À part les vents qui sont arrivés il y a 6 mois, mais comme sur KDG, comme sur Glazier. Donc pour moi, il n'y a pas de changement, pas de difficulté particulière sur Rufus. Hein. C'est simplement, il faut apprendre à le connaître, à prendre les techniques d'approche, et voilà comment on appréhende Rufus. Voilà, c'est simplement pour te répondre, j'espère que ma réponse te convient, Stan, mais voilà, pour moi je ne le trouve pas plus dur qu'avant. C'est vrai que, bon, après, il y a eu un énorme réajustement des gains d'XP sur Rufus. Alors, il y a peut-être 2-3, alors je ne sais pas si c'est beaucoup plus difficile. Moi, j'ai pas joué autant sur Rufus que n'importe lequel d'entre vous, mais bon, au final, c'est pareil. Il y a j'ai pu rencontrer des joueurs allemands qui disaient que c'est vrai qu'au début, vu que ça déstabilise par les changements, on se dit tout de suite que c'est plus difficile. C'est comme parce que il y a des mecs, par exemple, qui font du Kadeger, qui font 10-18 trous. Oula, j'arrive plus à parler. Ils font 10-18 trous. Alors, je vais le redire tranquillement. 10-18 trous par jour. Enfin, voilà. Et puis, en plus, ça servait à rien de dire ça.
Et en fait, c'est l'habitude, c'est l'habitude. Et à partir du moment où on change une habitude, c'est des, c'est un tir qu'on n'a plus l'habitude de faire. Il va falloir se recalibrer. Enfin, voilà, c'est je pense que la difficulté vient plus de là, de pouvoir, de venir changer ses habitudes plutôt que ça soit vraiment une réelle difficulté supplémentaire sur le parcours. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais de toute façon, comme on l'a monté en XP, je pense que dans ce souci-là, obligatoirement, il y a un peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que Rufus maintenant est pratiquement équivalent à KDG en XP. Quoi, hein. Mais c'est pas pratiquement équivalent. Il me semble que c'est les mêmes gains. Alors, c'est pas pratiquement. Rufus avait fait dernièrement. Allez voir sur le forum. Refrodish avait un comparatif des différents parcours difficiles, le gain d'XP qu'il faisait sur chaque le par, le bogey, le machin, le birdie, combien il gagnait, combien il perdait. Donc il a fait un petit tableau là-dessus, vous le retrouvez sur le forum. Bon, donc, ça comme c'est vous remarquez, moi je le forum si vous y allez tous les jours vous avez une info intéressante. Vous trouvez obligatoirement une info intéressante. Je fais un peu de pub pour le forum, mais... Ah, mais c'est bien, c'est très bien, c'est très bien. On en reparlera du forum tout à l'heure, d'ailleurs. Et aussi, je vais refaire un peu de pub pour mon Cola Coca, où je vais m'en resservir un verre, parce qu'on me dit de m'en resservir dans la chatroom. Oula. Alors, hop, c'est reparti. J'espère que c'est celui que je fabrique. Oui, non. Ah non, c'est du totalement naturel. Enfin, naturel, aussi naturel que ça peut être, quoi. Mais non, ne vous inquiétez pas, je suis encore au travail, que diable. Qu'est-ce que vous pensez que je bois au travail? Franchement, non, mais quelle image vous avez de moi quand même, c'est fou. Jamais. Non, c'est l'image des événements qu'on a. Comme tu travailles. Oh non. Non, mais ça après, c'est très surfait cette image de l'Allemand qui boit de la bière et qui mange des saucisses sur un barbecue, c'est très très surfait. Mais okay. passons. Trou 10, continuons. Trou 10, tout simple. Quand vous êtes petit level, vous allez au fairway qui est en face rond, en premier coup, et deuxième coup, vous arrivez sur le green, rien de compliqué. Après, pour les trous, pour les levels supérieurs, donc là, il y a eu du changement. Donc les changements, c'est les palmiers, ils ont grossi. Donc avant, on avait un passage complètement à droite de l'écran. Vous mettiez effet 3 heures, vous passiez complètement à droite et vous y alliez directement sur le green. Donc maintenant, vous êtes obligé de passer entre les deux gros palmiers qui se trouvent sur votre droite. Donc là, vous pouvez passer par cet endroit-là quand vous avez un vent qui vient de gauche vers la droite. Là, le vent va de droite vers la gauche. Donc là, je vais faire un effet 9 heures, passer carrément de l'autre côté et aller rechercher le drapeau. J'aime bien comment tu parles, Bruno. C'est tellement plein de techniques. Ah non, mais c'est tellement clair, j'ai l'impression d'écouter le téléachat sur TF1. Ça peut pas être plus clair. D'accord. Non, mais c'est vrai, c'est très, très. Ah non, mais tu le vends bien, Rufus, hein. C'est très, très bien expliqué. Et c'est vrai qu'après, dans la pratique derrière, c'est un peu long. Mais ton tir est un peu long, pas ta description. Comme je t'avais dit, hein, moi, mon but c'est de faire découvrir les nouveautés, expliquer Rufus, parce que je vois de plus en plus de level 100 qui sont bloqués sur Rufus. Donc le peu de conseils que je peux donner, même si j'ai pas la technique, eux ils l'ont. Eux, beaucoup de joueurs ont une qualité de jeu incroyable, mais ils ont peur de Rufus et ils appréhendent tellement Rufus qu'ils se dégoûtent de Rufus et c'est un peu dommage. Et beaucoup de level 100 sont pieds sur Rufus, et à cause de ça, parce qu'ils se sont dégoûtés, et alors qu'il est vraiment pas difficile. Franchement, il est pas difficile. Bon. Pour moi, dans le classement des parcours les plus durs, à ce jour, je mettrais Hayden. Hayden, le parcours vraiment le plus dur. Eh oui, Hayden Forest, il est très très raide, Hayden Forest. Ah ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Donc tac, c'est parti, hop, ah, c'est trop court, c'est un peu court, oui, effectivement, mais voilà, bon, du coup, tu vas attaquer l'approche, et moi, je vais recommencer à cuisiner Mers pendant quelques minutes. Ah non. Oh non. Bon, surtout qu'en plus, on arrive sur un sujet sensible, alors, maintenant qu'on commence à être un peu intime et qu'on est qu'entre nous, faut faire comme s'il n'y avait pas 50 personnes qui nous regardaient. Et voilà, donc vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez fait le premier de l'an ensemble.
Ouais, exactement. Donc, alors voilà, ma question c'était, est-ce que c'est une première pour votre guilde, ou est-ce que vous avez l'habitude de faire des petites réunions de guilde comme ça, en vrai, quoi, en face à face? Voilà. Explique-nous. Ouais, alors c'est une première en ce qui me concerne de se retrouver. En fait, on s'est retrouvé au Nouvel An avec 14 personnes, dont 7 membres de la guilde. Bien. Ouais, donc voilà, ben Bruno, on a appris à s'apprécier, et puis et j'ai deux autres membres de la guilde qui sont couples dans la vie et que j'avais déjà rencontrés auparavant, et ben ils sont venus à la maison et on a fait une belle fiesta, quoi. Bon, ça c'est super, ça, quand ça se passe comme ça. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Donc en parlant de ça, dans la continuité. Oui, vas-y Bruno. Ouais, dans la continuité, tu demandes si on va se rencontrer, si on se rencontre souvent ou pas. Bah là, la prochaine rencontre est annoncée au mois de juillet, où tous les gangs de malades, ceux qui pourront venir, viendront en Ardèche chez moi pour un big barbecue. Yes. Et bien. Juste à côté de chez moi, ce qui tombe bien, parce que nous, je le rappelle, notre surnom, ça tire du livre de la jungle. Juste à côté de chez moi, il y a un zoo. Donc c'est barbecue le midi et visite du zoo l'après-midi avec photo à l'appui pour mettre à l'écran. Ah non, mais ça c'est bien, ça fait presque un dîner presque parfait, vous savez, où vous invitez et puis vous faites un peu l'activité qui va avec pour essayer. Ça. Puis après, vous aurez une note chacun, un petit panneau pour dire, ben voilà, je donne 8 à Bruno au niveau ambiance parce qu'il nous a traîné au zoo, c'était super. Ah non, mais c'est vraiment très bien. On espère se photographier chacun devant nos animaux respectifs. Ça va être cool. Ah non, mais c'est vraiment. Ah non, mais c'est au top. Comme il faut m'inviter. Moi, je vais venir. Moi, je viens en Ardèche. Il y a pas de problème. Bah, sans problème. Voilà, je m'invite. Je viens m'incruster. Ça va mettre un froid. Ah non, du tout. Sachant comment tu es. Les infos comme ça qui traînent, les on-dit, tu sais bien faire la fête, donc il n'y a aucun problème. Oh, alors je ne sais pas d'où vous tirez ça, je ne suis pas comme ça du tout. Bah, je ne sais pas, vu la dernière émission que tu as fait avec les Belges, tu as l'air assez fêtard, donc je pense que si tu avais été avec eux, ça aurait été, la fin de soirée aurait été difficile pour toi, je pense. Ah non, mais on ne vous a pas raconté l'after, c'est pour ça. Bon, ne rentrons pas dans les détails quand même, parce que. Enfin, c'est vrai que moi je trouve ça très bien, les réunions de guildes, parce que c'est vrai que ben, les guildes, quand vous avez l'habitude d'être tous ensemble, et surtout sur un chat ou sur Skype, au bout d'un moment, même si vous vous êtes jamais rencontrés, ça fait un peu partie de la famille, et le jour où vous vous rencontrez, c'est comme si vous connaissiez un peu depuis toujours, quoi. Et c'est toujours très intéressant. Moi, je sais que j'ai eu l'occasion de faire ça, ben, quand je faisais beaucoup de moto, c'est vrai que j'avais rencontré des gens sur les forums, et puis après, on est allé faire des randonnées. Et c'est vrai que, il y a un contact, une habitude qu'on a avec ces gens, et qui font que le jour où on se rencontre, on passe un moment super, parce que ces gens-là, on les connaît déjà, on a l'impression de les connaître depuis toujours, et du coup, c'est formidable. Donc c'est vrai que si vous avez l'occasion dans vos guildes respectives, je vous invite à essayer de faire un petit truc, de vous rencontrer, de se donner rendez-vous dans un bar ou quelque chose. Parce que c'est vraiment des super expériences. Il faut pas avoir peur de rencontrer les autres. En général, c'est toujours très positif. Ah ça, je suis... Je confirme, voilà, on s'est rencontrés sans se voir. On a simplement échangé des choses sur Skype et sur les chats de la guilde, et puis on n'est pas déçu de ce qui s'est passé, quoi. On s'est vraiment retrouvé comme si on se connaissait depuis toujours. Et moi, je le conseille, comme tu le dis, à tout le monde. Oui, ben, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui organisent, ben, qui veulent organiser des stages de golf ou des trucs comme ça. Et c'est vraiment c'est bien, quoi. C'est vrai que il y a des chances que ça arrive pour Shot Online Allemagne, parce que c'est vrai qu'on est sur Berlin, et il va peut-être avoir des sortes de rencontres Shot Online qui vont être organisées, où on ira, où on participera, quoi. C'est vrai que pour la France, ça serait plus dur.
parce que déjà c'est vachement moins desservi, et puis aussi parce que c'est plus difficile pour l'équipe de Onnet de se déplacer en France, quoi. Mais bon, je désespère pas, je pousse parce que moi j'aime bien me déplacer pour aller faire la brinque, donc je suis derrière ce genre de projet à fond, quoi. Et voilà. Donc là, sur le trou numéro 12, j'ai joué, mais je vais simplement parler vite fait. Au niveau de ce trou-là, c'est tout simple. Le plus souvent, il faut passer sous l'arche au drive. Vous réglez, vous passez sous l'arche, vous mettez de l'effet plus ou moins fort. Et dès que vous êtes en full, vous passez, comme je suis passé, par la droite de l'arche, au minimum au bois 3. Et après, en fonction de votre hachet, vous augmentez votre effet. Ce qui vous permettra, et quand vous serez vraiment level 100-101, vous pourrez aller directement sur le green avec un vent favorable. Donc sinon, pas de changement sur ce parcours, sur ce trou-là. Bon. Et ben, on va essayer de faire des accroches correctes quand même. Ah oui, ben quand même. Se mettre à jouer, puisque maintenant que le double est commencé, que ça me rapporte un peu d'XP. Ouais, oui, ah ben oui. Bruno, ça changerait un peu que tu fasses une bonne approche. Ça va, je suis à zéro. à 3 semaines. Ça te va comme approche? C'est correct, c'est très correct. Non mais Rufus, c'est vrai que là, de ne pas l'avoir pratiqué depuis un bail, c'est... À part, hein, je l'ai fait 3 fois quand la mise à jour s'est refaite. Les nouvelles nouveautés sur ce parcours pour le découvrir, pour voir les changements. Bon, après, faut vraiment le travailler, Rufus. Avant de se lancer au test, faites au moins une trentaine, une quarantaine de trous, de 18, pour vraiment le connaître. Sinon, ici, pas de changement au niveau du parcours, à part esthétique. L'arrivée est toujours la même, les passages sont toujours les mêmes. Donc, le plus souvent, vous tirez sur le fairway qui est à votre droite. Et sinon, vous avez une autre solution, c'est à partir d'un certain level, c'est bois 3, c'est-à-dire à partir du level 70. Vous mettez effet 9h, c'est-à-dire complètement à gauche, votre effet, et vous passez au-dessus des arbres. Si vous le faites au driver, vous toucherez les arbres. Au bois 3, vous passez au-dessus et vous allez arriver au bout des arbres, vous réglez votre rond au bout des arbres. Et vous avez une place, vous mettez votre rond à ce niveau-là, après vous décalez en fonction du vent, et vous tomberez en bout des arbres. Voilà ce que je conseille en passage. Sinon, là... C'est exactement ça. Après, à mon level, on va directement sur le green, sans aucun souci. Maintenant, vous gérez le vent. Bon, je règle pas spécialement, mais je vais essayer d'arriver sur le green avec un effet 3 heures. Un chiffre en direct, ça serait exceptionnel. Personne ne l'a fait encore, Max. Hein, Personne n'a fait de Hachio. Il y a eu un presque Hachio une fois. Je ne sais plus, je crois que c'est Ref Prodige qui avait failli faire un Hachio. Mais non, pour l'instant, il n'y en a pas. Bon, on va tenter sur le trou d'après. Alors, il est possible sur le trou d'après, si je me souviens bien. Ce serait formidable. Alors, sinon, en attendant cette fin d'approche c'est correct aussi. Ouais. Et que dire de plus sur le gang de malades Donc, vous n'avez dit. Vous m'avez... Dire. Ah, parle, écoute. Dis-moi-en, il faut en savoir. Alors, j'ai plein de choses à dire. La première chose, c'est que, voilà, la gang a été créée le 14 avril 2010. 14 avril 2010. Voilà, je reviens un peu sur l'historique. Je suis arrivé sur le jeu par hasard. Je suis pas un joueur de. J'étais pas avant ce jeu un joueur de en réseau, ni un joueur de sur console ou ce que tu veux. Et j'ai eu une opération importante et je me suis retrouvé tout seul à regarder la télévision, ça me gonflait, donc je me suis connecté sur internet, j'ai tapé golf parce que je suis un joueur de golf avant tout. Mm-hmm. Et je suis tombé sur ce jeu et je voulais faire je voulais parler un peu de Dougie parce que lorsque je suis arrivé sur le jeu, le seul qui m'a aidé, c'est Dougie. Dougie est le premier maître de la gang. D'accord. Et il m'a laissé les rênes justement à
quelques mois après la création parce qu'il est parti vers d'autres horizons. Et je disais tout à l'heure que le fait d'avoir des membres qui restent chez moi, ça me tient beaucoup à cœur. Je disais aussi que je recrutais pas, mais voilà quoi. On est peu, mais j'ai franchement la sensation d'être le maître d'une bonne guilde. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, j'ai pas, je suis d'un LV assez haut dans le jeu, mais voilà, quoi, mon optique est pas de faire du XP à fond. Mon optique est d'aider tout le monde. Je joue avec tout le monde et y a beaucoup de gens dans le jeu, hormis ma guilde, qui savent que je suis prêt à les aider. Quoi. Bon, c'est top, voilà. Ça. C'est bien en plus. Bah, du coup, j'imagine que sur 45, c'est ça, 45 membres. Bon, c'est vrai que ça reste un nombre relativement correct pour quand même connaître une majorité des personnes bien, quoi. Parce que c'est vrai, quand on commence à arriver 90, 100 membres, jusqu'à 150 membres, ça devient difficile de connaître tout le monde par son prénom ou par son surnom, là, comme dans votre guilde. Donc, j'imagine qu'à 40, 45, c'est encore faisable de pouvoir connaître à peu près tout le monde, de savoir ce qui se passe. Quoi. Exactement. Exactement. On a eu, j'ai eu quelques problèmes. Historiquement, la gang de malades a disparu du jeu pendant quelques mois, deux fois. La première fois, c'est que on a voulu faire une fusion avec les Amama qui souhaitaient lâcher la guilde, et comme elle était plus importante que la nôtre, on a accepté de le faire. J'ai eu pas mal de problèmes pour retrouver le nom de la gang en prenant la direction des Amama. Ça s'est fait. Mmh. Donc voilà, on n'en parlons plus. Et puis après, on a essayé de faire une fusion qui n'a pas marché. Donc, deux fois, la gang de malades a disparu du jeu. Et aujourd'hui, il est clair que les fusions m'ont aguerri dans le fait que la guilde et le peu de membres qu'on est me suffit pour que on s'éclate bien sur le jeu et c'est ce que tu disais, c'est important, c'est que on commence à se connaître, et ça c'est vraiment important pour moi. Bon. D'autant que je suis pas quelqu'un qui était fan de jeux en réseau avant, quoi, tu vois. Oui. J'attache une attention particulière au fait que tout le monde puisse se connaître et s'apprécier, quoi. Voilà. Bon, et du coup, il y a aussi attends, je vois qu'il y a Bruno qui attend. On va le faire jouer un peu. Et puis après, on attaquera pour la suite. On fera un peu sur la gestion, un peu en arrière-plan, sur tout ce qui est GHP, événements, guild, etc. Oui. Bruno, c'est à toi. Donc le trou 15. Alors le trou 15, c'est le trou qui fait peur à tout le monde. Quand vous découvrez Rufus, c'est le pire des trous. Vous êtes pratiquement sûr de tomber dans l'eau au début. Quand vous le connaissez pas, vous vous dites « Ouais, le trou 15, il fait peur. » Ça, c'est clair. Donc la technique, elle est toute simple. Tant que vous n'avez pas minimum 180 talents, faut pas chercher à aller très haut, plus loin. Vous cherchez le premier fairway, et si possible, le début du fairway qui est à la droite du premier lac, du premier étang, on va dire. Le début du fairway, vous tombez ici, c'est plat, c'est tranquille. Si vous cherchez plus loin, il y a les arbres qui vont vous gêner pour votre deuxième coup, et vous allez vous retrouver dans des conditions en pente, pas bien, en dévers et tout ça, donc ça, c'est pas terrible. Donc, essayez au maximum de jouer en début de fairway qui se trouve sur la droite. Dès que vous dépassez 180 talents, vous ne cherchez pas, vous tapez plein de balles, au plus loin possible, vous allez tomber dans le sable, ça joue de la corde, mais une fois que vous avez 180 talents, vous commencez largement à maîtriser vos approches. Donc voilà le conseil que je vous donne. Donc, on va le faire, il fait 3 heures, le vent est court, je me place pas trop mal, j'espère. Voilà, vous voyez, moi, il ne manque pas grand-chose.
Donc pas grand chose. Peut-être que j'aurais pu décaler un peu plus sur la gauche, mais je me serais retrouvé dans l'herbe, on va dire, c'est une sorte de roof qui est un peu difficile à gérer au niveau des côtes. Donc là, c'est un peu spécial. Alors ce qu'il faut savoir, ce sable-là, quand vous arrivez à ce niveau-là, il ne fait pas le rôle de sable. C'est-à-dire que sous la balle, le pourcentage 62-82%. Mmh. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le plus souvent, le sable de Rufus, c'est aux alentours des 62% de retenue. Et là, le seul endroit, c'est-à-dire sur un rayon, par rapport où je suis, sur un rayon de 20 yards, le sable répond plutôt aux alentours des 80%. Donc ça, en tenir compte, parce que là, dans le deuxième coup que je vais jouer, l'approche va être différente. C'est-à-dire, si vous retenez à 62, vous allez vous retrouver dans l'eau, et donc ça va être un peu difficile. Donc moi, là, je joue ma distance 37 plus mes 8%, donc 45%. On va voir ce que ça donne. Normalement, je ne devrais pas être mal. J'ai loupé mon zéro. Et voilà, slack dans la flotte. Donc, très bon exemple. Je fais annuler. Très bon exemple. Donc, ce que je vous explique là, c'est je vous donne mes conseils. Après, à vous de les appliquer, de trouver votre cote. Le pourcentage est très important. Et en fonction de vos fers et tout ça, je reviens sur mon explication début de parcours. En fonction des fers que vous utilisez, il faut vous trouver un pourcentage. Beaucoup de gens jouent avec une feuille de papier, avec les stats, avec ils ont tout noté, le bunker, telle distance et tout ça. Moi, je considère que sur Rufus, le meilleur des conseils que je peux donner, c'est de trouver un pourcentage qu'il faut rajouter à la distance. Et une fois que vous avez trouvé ce pourcentage-là, vous pouvez jouer tout le parcours tranquillement. Donc là, on est en roof, donc ça me permet de vous faire voir que le roof aussi est difficile. Il retient aussi, donc j'y vais à la technique de toi, Max, c'est-à-dire au pifomètre, on verra bien ce que ça va donner. J'aime bien quand on s'inspire de mes techniques. Ouais, elle est pas si mal ta technique. Hein. C'est pas mal ça. Si ça reste en haut, c'est bien. Ouais, ça va rester. Ça va pas descendre. Bon, le green n'a pas changé ici, pas d'évolution particulière dessus, à part graphique. Et franchement, ils ont fait du très bon boulot au niveau graphisme. C'était lequel qu'ils avaient changé, c'était Glazier. Ils n'ont pas bougé au niveau du graphisme, ils ont bougé sur les greens, les modifications, et certains passages de Glazier, si je me souviens bien. Mais Rufus a vraiment évolué en qualité visuelle. Surtout avec là par contre là je vais te laisser l'explication technique Max parce que il y a une évolution au niveau de en fonction du PC qu'on a, c'est ça, il y a oui. Graphique. En fonction de la carte graphique et tout ça, on peut rentrer certaines options au départ avant de cliquer sur commencer. Vous pouvez avoir une définition de l'image qui est tout à fait correcte. Ah oui, ça a été largement augmenté. Et pour l'instant, en fait, les nouvelles options graphiques, elles touchent que Rufus, parce qu'il n'y a que sur les Rufus qu'il y a les nouvelles textures qui sont. Mais comme ça avait été annoncé, Rufus, c'est le premier de la série. Et petit à petit, il va y avoir plus de parcours qui vont être faits. Donc, ça sera pas tout fait en même temps. Ça sera fait un par un. Et je sais pas la fréquence. Mais parce que ça prend du temps aux équipes de développement, autant du côté du graphisme que pour les changements, les ajustements de green et de enfin tout ça quoi. Donc c'est vrai que ça arrivera petit à petit pour chaque parcours et je ne connais ni l'ordre des parcours ni la fréquence de mise à jour, mais je pense qu'il devrait y avoir d'autres parcours qui arriveront. Au moins deux parcours d'ici cet été, je pense. Deux nouveaux parcours mis à jour de cette manière. Je pense que c'est raisonnable de penser qu'il y en aura un ou deux. Ouais. D'accord. Donc, moi, j'ai l'avantage d'avoir un bon petit PC. Donc, moi, j'ai une qualité d'image. J'ai l'impression de regarder un dessin animé quand je suis sur Rufus. Vraiment, c'est une qualité impressionnante. Ça a changé. Franchement, si tous les parcours passent comme ça au fur et à mesure, on aura encore plus de plaisir à jouer sur Shoot, parce que c'est vraiment très très très, très bien. Quoi. Donc s'il y en a qui ont les moyens de se faire offrir des nouveaux PC ou un bon patron qui prête des PC corrects, ce qui est mon cas, installez Shoot Online dessus, vous allez voir, après c'est un dessin animé quoi, que vous avez dans les mains. Donc sur le trou 16,
Alors, le trou 16, alors lui, il a carrément changé. Avant, on avait... c'était tout droit. On avait une arrivée green entourée de dunes. Donc, c'était tout simple. On tapait dans le trou et on tombait sur le green. C'était tout facile. Maintenant, il était séparé en deux. Donc, vous avez deux possibilités de green. Donc, le green de droite sur lequel est mon drapeau actuellement, il y a une légère montée sur les rebords du green. Donc il faut essayer de s'arranger à rebondir au début du green et non au milieu parce que vous avez tendance à ressortir de ce green. Par contre, le green de gauche, l'avantage que vous avez, c'est si vous tapez au milieu, il remonte tellement sur les pentes de dune, le green, que la balle va revenir vers le drapeau le plus souvent et vous allez vous retrouver avec une approche facile. Donc, quand vous jouez sur Rufus, ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'il soit à gauche et pas à droite. Là, moi, j'ai pas de chance encore. Je me retrouve sur le green de droite. Donc, on va essayer de faire une approche à peu près correcte. Enfin, quand même. Parce que j'explique Rufus, mais... Tu nous as promis... C'est pas top, quoi. Tu nous as promis un trou en un. On l'attend, hein. On l'attend toujours. Trou en un, il est foutu, là. C'était au 14 qu'on peut faire facilement un trou en un. Alors là, je me retrouve... Perché. Super. Perché. Voilà. Alors là, moi, tu vois, alors laisse-moi regarder. Alors on va la faire la technique à la Sangaren. Alors, vas-y. Tu vois, je te dis. Alors tu attrapes ton SW. Ouais. Et je dirais que tu mets. Attends, parce que moi j'ai pas les distances. Alors je dirais que tu mets. Allez. 25% au SW. Oh, il est à 34 yards. 34-25% dans le sac. Ah, je sais pas. En montée. Écoute, mets-y un peu plus, mets-y. Oh, allez, je sais pas. Alors, le truc, c'est que je ne vois pas. Moi, je vais jouer ce que tu m'as dit, 25%. D'accord. Ouais, j'ai dit 35. J'ai dit 35, non ? J'ai pas dit 35 ? Alors, on va dire 35. Alors, on joue 35, ce qui me plaît déjà un peu plus, déjà. Ah, c'est en cours. Donc imagine 25 que tu avais dit au départ. Ah, mais. C'est très très mal. Ben 25, ça aurait pu être joli aussi. Ça, tu te serais bien mis dans la pente et du coup, ça aurait mieux poussé. Et. Alors, maintenant, tu as une position parfaite là, pour jouer. Ouais, parfaite. Ouais, je suis bien en descente aussi. C'est pas mal. Je suis pas dans la galère non plus, là, encore. Mais on arrive à s'en sortir quand même. De toute façon, le score, tu ne vas pas jouer le score sur cette partie-là. Je pense. Non, si j'ai vraiment. Moi, alors, aussi un conseil que je peux donner à ceux qui font le test 100, puisque pour le passage 101, qui est très difficile. Avant de vous lancer chez Harold, moi je ne l'ai pas encore passé, j'y arrive dans 24%, je vais être au level 100. Donc avant de ça, le level 99, il est assez long pour pouvoir l'avoir, à moins de se charger la mule en D5. Si on a la chance d'en trouver aux enchères ou dans les boîtes XP qu'on retrouve sur les Ten Shop. Franchement, moi, mon level 100, level 99, j'y suis passé le 11 novembre. On arrive mi-janvier, vous voyez, il me reste encore 25% à prendre. Et je suis pas un fou d'XP, c'est pour ça que je suis aussi chez les gangs de malades. C'est que chez nous, on cherche pas les XP, donc on essaie de jouer ensemble et de s'amuser. Alors, donc, est-ce que tu as fait les quêtes level 99 aussi? Alors, level 99, donc toutes les quêtes, je les ai pas faites. Il y en a une que j'arrive pas à faire. C'est pour ça que je dis que profitez du level 99 pour apprendre tous les parcours, jouer sur les parcours du test. C'est-à-dire Abel, Gleiser, Rufus, aide-moi, Thierry, je sais plus, Mirce. Rufus, Abel, Gleiser, et il y en a un autre. Je sais plus. Bah c'est KDG. Hein. KDG, voilà, merci. Donc jouez dessus, faites des 18 dessus, apprenez bien vos parcours, parce que moi, vous voyez, moi, en ce moment, je suis en train de... J'ai du mal, c'est sur Abel. J'arrive pas à descendre mon haché. Je viens de prendre des conseils dernièrement pour... Superbe. Merci. Bravo. Pour savoir comment le jouer. Donc j'ai essayé d'évoluer, changer mes stats, puisqu'on m'a dit que mes stats n'étaient pas bonnes pour jouer sur Abel. Donc, profitez du temps, vous avez 2 mois pour passer de 99 à 100, 2 mois en moyenne. Donc profitez-en pour travailler ces parcours-là.
Donc, au niveau du 17, simplement des conseils de passage. Alors, pour petit level, vous tapez sous l'arche. Et si possible, vous essayez de tomber au début de... C'est-à-dire juste le 3-4 yards, juste après l'arche. Voilà où il faut tomber. Si vous allez trop loin, si vous cherchez le bout du fairway, vous allez être en difficulté, vous êtes en pente. Et après, l'autre arche que vous trouvez dans la continuité du parcours va vous gêner pour passer. Sinon, après, il y a différentes techniques. Il y a la technique entre level 65 et 80 qui est effet 9 heures, c'est-à-dire effet à gauche. Et vous allez passer, vous allez tenter de passer entre les pylônes, donc bien réfléchir où vous allez tomber. Donc là, ce que je vous conseille, c'est toujours mettre le cercle dans l'axe du deuxième fairway que vous avez si vous faites passage par effet 9 heures. Autre technique, celle que j'utilise depuis que je suis level 95, c'est tout simple, c'est effet 3 heures par contre. Et vous allez chercher, avec votre rond, vous allez chercher le pied à gauche de l'arche. C'est-à-dire que la deuxième arche que vous avez sur le deuxième fairway, vous mettez votre rond à partir du level 95 au niveau du pied. Peu importe le vent, peu importe quoi que ce soit, vous mettez votre rond là. Une fois que vous avez réglé votre rond au pied de l'arche, vous réglez en fonction du décalage du vent. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Dès que vous dépassez, et vous allez voir, plus vous allez monter en level, là moi level 99, j'arrive carrément au bout du fairway. Donc il faut rester toujours sur le principe du pied de l'arche à gauche. Dans la continuité, vous allez arriver au bout du fairway. Donc je vais tenter, on va voir ce que ça va donner. Normalement, je vais terminer dans le sable. C'est pour vous faire voir où il faut passer. Voilà. Hop là. Bon, ben c'est passé, c'est bien. C'était pour vous bravo, faire voir. Bravo Bruno. Non, j'ai aucune inquiétude. Ce que je viens de vous dire là, c'est si vous respectez ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire le rond au pied à gauche de l'arche, vous êtes sûr de passer, vous êtes sûr de ne pas taper dans les colonnes au driver. Ça, c'est ouais, je confirme, c'est vrai. Si vous prenez le bois 3 ou bois 5, le souci, c'est que vous allez trop haut et vous avez des risques de toucher le haut de l'arche, même si vous réglez le rond sur le pied gauche. Donc toujours au driver, donc après, vous jouez sur la puissance que vous tapez dans le driver. Soit, j'ai tapé à 100% pour vous faire voir vraiment où il fallait passer. Vous tapez à 90, vous êtes sûr de passer sans toucher la colonne. Ça, je vous le certifie. Si ce n'est pas le cas, c'est que oui. Vous placez mal le rond sur le pied gauche de l'arche. Non, bon. C'est vrai, tu as raison. Donc là, un autre conseil que je peux donner. De level, on va dire, du level, je crois que la quête pour débloquer Rufus, on peut la débloquer à partir du level 30. Donc, quête à partir du level 30 jusqu'à level 70, c'est-à-dire tant que vous n'êtes pas en foule, ici, quand vous êtes en longue distance par rapport au drapeau, dans le sable, rajoutez toujours deux fers. Vous réglez votre rond sur le drapeau. Une fois qu'il est réglé sur le drapeau, vous rajoutez deux fers à votre réglage. Et vous êtes pratiquement sûr de tomber à l'endroit où était votre rond. Donc là, je viens de régler. Il y a 3-7 devant qui vient me pousser un peu. Moi, personnellement, j'ai rajouté deux fers. Je joue à 100%, on va voir ce que ça donne. Normalement, je ne devrais pas être trop mal. Et c'est beau. Ça, voilà. C'est superbe. Donc ça aussi, c'est des anciens qui m'ont appris. Je vais les nommer. C'est Peter Reeve, qui est vraiment quelqu'un qui connaît très très bien le jeu. Si vous avez des conseils à demander à quelqu'un sur le jeu, qui a une approche... une approche du jeu, une approche d'explication, de choses comme ça, vous prenez Peter Reeve, c'est quelqu'un de très bien, très peu souvent connecté, mais quand il est connecté, il se balade sur plusieurs serveurs, il est sur le serveur US, il est sur le serveur français, les autres serveurs aussi, je crois qu'il est aussi, il traîne un peu sur tous les serveurs de shoot, donc il connaît très très bien le jeu, et c'est quelqu'un qui peut vous expliquer et qui aura le plaisir de vous expliquer. Je dis ça, je ne vais même pas te poser la question. Mais moi, il a toujours été là quand j'ai eu besoin et il n'y a aucun souci. Après, vous connaissez peut-être d'autres joueurs. Donc, si vous connaissez d'autres joueurs sur qui on peut compter sur le jeu, qui sont là pour vous apprendre des techniques, qui prennent du temps pour vous apprendre, notez-le sur le chat. Ils vont vous expliquer. Il faut les mettre à l'honneur. Des gars comme ça, il faut les mettre à l'honneur. Oui, c'est très bien, c'est un très beau message, c'est beaucoup d'amour dans ton message, Bruno, c'est vrai que... Alors, en parlant d'amour,
Ah oui, parle-moi d'amour. Eh ben, parle-moi d'amour. Alors, toi, tu as Thierry qui est là, Mirs. Donc, Mirs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a rencontré sa dulcinée sur Shootomine. Oh, ouais. Allez, parle-moi d'amour, donc. Et il a, donc, il l'a rencontré, et c'est comme ça que nous, bah, moi, j'ai appris de connaître comme ça. On a discuté, on a parlé de ça, on m'a appris à se connaître sur le chat, sur Skype après. Après, j'ai connu sa petite amie, qui s'appelle Hélène, pour pas la nommer sur le jeu. Et les choses de la vie ont fait que moi aussi, il m'est arrivé une séparation dans ma vie il n'y a pas si longtemps que ça. Et bah, moi aussi, je viens de rencontrer ma nouvelle femme de ma vie sur le jeu, qui appartient au coup. C'est beau le gang de malades quand même. Ah ouais, c'est clair, oui. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le gang de malades, je sais pas, mais il rapproche les corps. Il rapproche les corps. L'amitié devient amour chez nous. Donc, vous venez à la gang de malades, attendez-vous à une belle rencontre. Si vous n'avez aucune intention, ne rejoignez pas la guilde. Si par contre vous êtes très mal intentionné, rejoignez les gangs de malades. Non, enfin, c'est vrai que c'est quand même très beau. C'est vrai que j'ai vu qu'il y avait eu aussi, j'avais fait ça sur la page Facebook. Il y avait aussi des photos de mariage qui étaient passées et ça faut pas hésiter parce que moi je suis le premier à être super heureux pour ce truc-là et j'ai filé des cadeaux de mariage parce que quand même un mariage sur Shot Online ça se fête et donc voilà il faut me dire. C'était Biche et Carna. Biche level 85, un truc comme ça, ou 90, je sais plus trop, et Karna qui devait être dans les mêmes alentours de level. Donc c'est des gens que bah tu vois que j'ai rencontré qui appartenaient à la guilde des Fondeurs à l'époque où j'étais chez les Fondeurs. Et un jour ils m'ont invité avec Jarod 82 qui était de passage chez eux. Il m'appelle Jarod 82 qui est très connu sur le square. C'est quelqu'un exceptionnel, je vous en parlerai après. Donc il m'appelle sur mon téléphone, il dit Bruno, je suis pas loin de chez toi, viens chez Biche, je t'invite chez Biche. Donc il était de passage chez Biche, il m'invite chez Biche, et résultat des courses, on s'est rencontrés, et un mois après, ils m'ont invité à leur mariage, et on s'est retrouvés avec une quinzaine de joueurs au mariage de Shoot Online, qui sont venus de toute la France. Oh. Ça, je trouve ça génial, toi. C'est pour ça que j'avais mis après sur Facebook les photos de leur mariage, parce que je trouvais ça génial. De faire partager ça quoi. Et oui, ben tu sais, moi je trouve ça c'est toujours émouvant là des fois maintenant on voit des enfants sur les pages Facebook des mariages. Moi je verse ma petite larme à chaque fois. C'est magnifique quand même. C'est parce que on voit quand même que en plus du jeu, on se retrouve une véritable famille et on crée des liens qui vont jusqu'à être plus que des liens. Bon, c'est pas mythique non plus, mais bon, à la rigueur, je me demande même si c'est pas plus mieux. Alors ça, faut pas le dire ça. Oula. Je me demande si c'est pas mieux que mythique parce que c'est vrai que là, bon, du coup, c'est pas à la base, c'est pas un jeu, c'est pas un site de rencontre quoi. Donc du coup, je pense qu'on est plus vrai, on se cache moins derrière certaines choses que on pourrait le faire sur un site de rencontre quoi. Et du coup, on découvre les personnes un peu mieux. L'avantage, c'est qu'on a un centre d'intérêt, c'est-à-dire le jeu. C'est-à-dire qu'on se rencontre sur le jeu, on joue sur le jeu, on a des intérêts communs par rapport au moins le jeu, ça nous réunit déjà à ce niveau-là. Donc après, le reste fait ce qu'il faut, quoi. Et oui. C'est vrai que c'est très très bien. Moi, franchement, j'ai apprécié rencontrer du monde comme ça et je continue à en rencontrer et j'arrêterai pas ça quoi. Ça, c'est génial de rencontrer les gens et d'évoluer comme ça quoi. Bon, eh ben super. Bah déjà, bon, merci pour Rufus parce qu'on vient de finir. Alors merci pour ce parcours. Et puis bonne année comme on le voit à l'écran. Moi aussi j'espère. C'est vrai que bon, on a fait un petit tour, ça a permis j'espère à tout le monde de voir un peu de quoi en retourner Rufus pour ceux qui... Il y en a qui n'ont pas encore accès à Rufus, et il y en a d'autres qui ont accès à Rufus, mais qui n'ont pas envie d'aller sur Rufus. Et j'espère que ça vous donnera envie d'aller découvrir le sable, les plages de sable fin de Rufus.
Donc voilà. Eh ben, écoutez, alors, je pense qu'on va, on va faire une petite conclusion tous les trois sur sur les gangs de malades. Si vous avez des questions ou des d'autres trucs à dire qu'on n'aurait pas couvert là, c'est le moment. Bah écoute, moi je suis ravi d'être le maître de la gang de malades. Que ça ça va continuer comme ça, j'en suis certain. Par contre, j'ai une attention particulière à apporter à ma chérie qui est sur le jeu, qui est sur le chat de l'émission et que alors, j'aime. Et donc voilà, je voulais lui dire que je l'aime. Ah mais c'est beau l'amour. Alors balance aussi que après les anniversaires, maintenant les déclarations d'amour enflammées. Alors bah qui est ta Hélène 989. Alors c'est ah ben voilà, c'est Hélène 98 91, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Alors, voilà, sur le chat c'est Hélène 98 91. Bon. Et moi aussi j'en profite pour faire un gros bisou à Vanda 22 sur le jeu. Que j'aime aussi de qu'on a appris à se connaître il y a quelques mois et qui est qui est en Bretagne et moi qui suis en Ardèche et ah oui les retrouvailles sont pour bientôt donc ne t'inquiète pas, je ne suis pas fatigué, je suis en pleine forme. Voilà, ah mais je suis tellement triste parce que d'un côté c'est vrai bon pour les anniversaires ça tombait bien aujourd'hui mais il va falloir qu'on refasse un numéro pour le 14 février et puis il va falloir que vous reveniez parce que avec une guilde pareille quand tu veux il y a pas de souci. Alors du coup je lance le rendez-vous, je sais pas quand c'est que ça va tomber, je pense que la prochaine émission c'est le 2. Donc ça doit se tomber, l'émission d'après ça doit être un truc comme le 16 février et ce serait peut-être sympa, ça serait peut-être sympa de réunir quelques couples de Shot Online. Alors rappel aux couples de Shot Online, on va peut-être faire une émission spéciale Saint-Valentin où vous pourrez venir discuter, peut-être à tour de rôle, présenter votre expérience, comment vous vous êtes rencontrés, enfin peut-être des petites anecdotes. Je pense que ça pourrait être très très sympa de voir un peu toutes les personnes, les différentes personnes qui ont pu se rencontrer sur Shot Online. Je pense que ça peut être une très bonne idée et ça peut être très sympa. Ah nice. Oui, je suis partant. D'accord. Eh ben, écoutez, ben voilà. Et puis, moi je dis, merci les gangs de malades parce que c'était très sympa. C'est une très bonne découverte. J'espère que vous aurez l'occasion de vous retrouver encore une fois. Ben, vous avez dit en juillet en Ardèche pour le barbecue. Et bon, ça, je pense que ça va être sympa. Barbecue, zoo, photo. Va falloir organiser un concours photo. Il n'y a pas de souci. Déjà, on est en vidéo tous les deux, donc Donc Icar, on se tient au courant. Je t'enverrai un petit quelque chose dans ton casier virtuel pour nous avoir partagé ce moment unique et inoubliable. Et aussi, il y a une personne qui a balancé une deuxième vidéo. Je ne sais pas s'il est encore sur le chat d'essayer de se manifester parce qu'il y avait deux vidéos. Et bon, oui. Aussi, la personne qui a balancé la deuxième vidéo, je ne sais pas qui c'est. Et, donc, il suffit de me dire qui c'est qui a envoyé. Donc, c'est... Ah non, mais... Zidju, je pense que t'as balancé la même vidéo en fait. Donc du coup, toi, tu t'es fait avoir parce que tu t'es fait prendre par avance par Icar. Mais il y a quelqu'un qui a envoyé un deuxième lien qui est la vidéo de Cher toujours avec. J'arrive pas à lire. Avec Rama. Ah ben voilà. Écoute, Hélène aura aussi un petit cadeau. Voilà pour avoir partagé ces moments inoubliables de vos rencontres. Je pense qu'on a fait le tour. On peut passer. Puis de toute façon, on a encore un petit peu de temps ensemble. Mais je pense que on va passer à la suite. Et puis si vous voulez rajouter des choses que vous avez oubliées, il y a pas de problème. Donc la suite, le tirage au sort de la loterie de la course Shot Online. Oui. Alors, qui a eu lieu ce week-end. Oui, qui a eu lieu le week-end dernier. Cette fois-ci, alors je n'ai pas mis sur le site la liste des personnes et je n'ai pas mis aussi donc les numéros qui correspondaient à ces personnes. C'est parce que je vais la faire un peu différemment. Je vais mettre mes invités à contribution. Oula. Et vous allez devoir me donner chacun
10 numéros, parce qu'il y a 20 personnes à tirer au sort, donc chacun 10 numéros. Donc les numéros sont entre 1 et 475. Donc n'importe qui commence, 10 numéros chacun qu'il va falloir me dire. Et puis moi je vais utiliser mon superbe surligneur orange pour cocher les numéros des personnes qui vont remporter les lots. Et voilà, donc on va commencer, ben, honneur à l'invité, invité, et le SOM après, parce que bon, quand même. Tout à fait. Puis tu n'es pas tu n'es pas maître. Donc, le premier numéro, ce sera le 7. Alors, numéro 7, alors c'est Nadou08. Alors, suivant. À toi Bruno. Alors, moi je vais dire le 322. Le 322, alors il faut que je cherche, 322. Alors le 322, c'est Ashio. Oh, joli pseudo lui. Joli pseudo, oui. Ah, merci, c'est ton tour, merci. Alors moi je vais prendre le 102. Le 102. Alors le 102, désolé si c'est Technambule, oui. Alors moi maintenant le 88. Keen. Non, c'est pas ça. 88. Ah, 88, c'est un nom que je revois venir souvent, c'est Mayfred. Oh, encore. Mais c'est pas possible, ça. Il arrête pas. Il n'arrête pas, c'est fou. Non. Moi je conseille à Mayfred de jouer au loto. C'est pas possible autrement. C'est, oui. Il a une chance incroyable. À toi Thierry. Alors, 204. Le 64 ? 204. À 204, désolé, je n'avais pas compris. Alors, 204, c'est Kid Reinen. Alors, de toute façon, je mettrai la liste après. Hein. Oui, bien sûr. Alors, Bruno ? Le 400. Le 400, c'est Stokidis. Stokidis ? Oui. D'accord. Alors, la suite, on enchaîne. Merci, c'est parti. Le 39. Le 39. Tac. C'est Ifradé. Bruno. Le 45. Le 45. C'est Kevenora. Oh. Le 38. Le 38. C'est Alscan. 430. Oula, attendez, j'ai oublié de cocher là. On en a combien là? Alors 430, toi tu m'as dit. 430. Oh, Glen Eagle pour le 430. Alors nous avons. Il va rigoler lui. Je vais compter. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10, donc il en manque 10. Le 99. Le 99, c'est Jax the Best. Le 270. Le 270, c'est Spy. Le 302. Le 302, c'est DD33510. Le 388. Le 388, c'est Faucheuse. Le 432. Le 432, c'est Chicabit. Il n'a pas besoin, lui. Il n'a pas besoin. Ah, bah écoutez, c'est ça le tirage au sort. Comme on dit, il manque Sophie Favier. Je suis désolé, je n'ai pas les cheveux blonds. Mais je peux parler comme ça. Le 125. Le 125. Alors, c'est moi qui me suis reperdu, là. Alors, je vais compter. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5... c'est, le 125, c'est Persuaja. Oh, okay. Joli, ah, mon pote. Ah, c'est un nouveau copain, donc. Ah oui, c'est un nouveau pote, c'est cool. Alors, on en a 16. 1, 2, 3, 4. Il t'en manque combien ? Il m'en manque 4, de chacun.
Alors le 5. Le 5, c'est... Oh, c'est une personne qui est sur Twitter, le 5. C'est... Alors c'est Zvatiz. Zvatiz. Le 144. Le 144, c'est Tigerfish17. Et un chacun. Le numéro 10. Le numéro 10, c'est Koki. Et pour finir, tu prends le dernier de la liste. Le dernier nombre. Le 475. Voilà. Qui est Fuxa. Et ben voilà. Voilà, et ben nous avons tous nos noms. Voilà, donc ben je ferai une liste. Je remettrai ça demain sur le forum. Je suis content que tout le monde ait reconnu ma parfaite imitation de Amanda Lear et Sophie Favier. Enfin, Fofi Favier. Et voilà, j'ai ma petite liste, et ben c'est parfait tout ça. Et on est à 1h35 d'émission, on va faire un petit point sur les news. Alors, quoi de neuf sur Shot Online? Alors sur Shot Online, c'est le retour des vacances. Et c'est pas facile, je tiens à vous le dire. C'est vrai que je suis arrivé... Alors pour vous faire un petit retour là-dessus, je suis revenu juste après une maintenance parce que je devais revenir pour la maintenance, mais il y avait un problème avec les avions, donc j'ai pas pu revenir de France assez tôt. Et donc du coup, je me suis retrouvé avec un décalage de 2 semaines que je viens juste de rattraper. C'est pour ça que pour l'instant, c'est vrai qu'on était un tout petit peu au ralenti en début de mois de janvier, mais là c'est bon, c'est reparti. Donc comme on a vu, première grosse news, on a le tournoi de guild organisé par les SOM. C'est une grosse chose. Donc je vous invite, si vous y êtes pas allé, à aller sur le forum pour voir le tournoi de guild, ou sinon en parler autour de vous, parce que c'est très bien organisé. Il y a eu énormément de temps passé là-dessus. Bon, pour l'instant, c'est vrai qu'il manque un petit peu de monde. Donc les inscriptions se finissent demain à 20h. C'est bien ça. Et voilà, c'est bien ça. J'ai bien révisé mes fiches. Voilà, si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez aller voir, il reste des places. Il suffit juste de vous inscrire sur le forum et après de retrouver un des SOM qui fait partie de l'organisation pour verser la somme d'inscription. Et voilà, c'est parti. Si je peux me permettre, les deux personnes qui s'occupent de récupérer les 10 millions de NG qui sont demandés pour l'inscription sont Pierre Max et Tintin123 sur le jeu. Au jour d'aujourd'hui, on a 26 guildes d'inscrits. 29. Oh, ça évolue, c'est très bien. Il y a 40 places, parce que c'est déjà pas mal. Au départ, on avait prévu sur les 40 premières guildes classées, sachant qu'il y a des abandons, des guildes qui veulent pas participer. Donc, on a ouvert à toutes les guildes du jeu. Donc, tout le monde est invité à s'inscrire. On prendra les 40 premières. Guild inscrite pour participer au tournoi. Donc, dépêchez-vous, il y aura jusqu'à demain soir. Demain soir à 20h, on fera le tirage et on le mettra en ligne sur le forum parce que les matchs sont samedi. Le premier tour est samedi soir à partir de 20h. Il faut commencer les matchs entre 20h et 21h30 pour préciser un peu comment va se dérouler le parcours sur normal random. Voilà. Bon, et eh ben au top. Je pense que pour conclure, je vous invite vraiment à en parler dans votre guilde si votre guilde n'est pas inscrite, parce que c'est comme toujours jusqu'à maintenant, les SOM ils ont prouvé qu'ils pouvaient faire des trucs qui étaient très bien organisés. On a vu pas mal de trucs qui ont toujours tourné au poil, donc aucun souci à se faire là-dessus, tout va se passer impeccablement bien. Et donc ça sera que du bonheur pour vous. Et puis il y a des lots à gagner pour votre guilde, pour la faire grandir, la faire évoluer. Donc que du bonus, que du bonheur. Voilà, la suite après, un truc plus général qui touche un peu tout le monde. Ce week-end, il va y avoir, qui n'est pas annoncé, il va y avoir un petit tournoi. Peu différent. Ah, oui, cool. Il va y avoir un tournoi, ça va mélanger deux styles. Alors ça, j'ai pas encore fait, on va tenter. Et je pense que ça sera une bonne chose pour faire gagner un peu des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de gagner, tout en continuant à faire remporter les meilleurs des meilleurs. Mais ça mélangera un tournoi par catégorie et un tournoi par personnage.
Donc, on fera toujours les catégories, mais sauf qu'au lieu de récompenser le top des joueurs sur la catégorie, ça sera le premier de chaque type de personnage qui repartira avec un lot. C'est-à-dire que le premier Belzébuth de la catégorie repartira un lot, le premier personnage avec un Camellia, par exemple. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment important de participer au tournoi, parce que si ça se trouve, si vous avez un personnage qui est rare dans votre catégorie, vous pouvez... en étant dixième, être récompensé dans votre catégorie. C'est très intéressant. Donc pour l'instant, les lots sont pas encore fixés, mais ça devrait demain tout sera mis à plat et ça devrait se faire. Donc voilà, il y aura plus de détails demain. Une petite news, ça va se faire sur le week-end pour que tout le monde ait un peu le temps de participer. Voilà, je pense que ça sera c'est la petite news de ce week-end. Bah c'est pas mal, parce que dans le sens où les persos, les petits persos qui sont rares, style les persos féminins, Shaorin, Camellia, Albus, ça c'est des persos qu'on voit très très peu sur le jeu, donc au moins eux ils auront leur chance, même s'ils font pas spécialement une superbe carte, si t'as une première de leur catégorie, ça peut leur laisser une chance, et ça ouvre un peu plus l'univers des tournois. Et après, il y a aussi, peut-être que faut que je vais voir pour les lots, mais c'est vrai que il y a certains personnages qui, justement, vu qu'ils ne sont pas très communs, il y a un cruel manque d'objets aux enchères pour que ça, quand c'est les clubs ou par exemple les vêtements permanents. Donc, ça permettrait à des personnes qui ont par exemple des Shaorin ou des Camellia de pouvoir gagner de ce week-end. Je vais sûrement mettre des choses à gagner qui sont pas communs à trouver dans les enchères. Donc c'est vraiment le but pour que ces personnes-là qui sont un peu délaissées normalement au niveau des enchères puissent avoir en se démenant bien, parce que quand même il va quand même y avoir du challenge à mon avis. À mon avis il y aura des lots très intéressants pour ce week-end. Donc voilà. Surtout je peux préciser quelque chose. Comme on a vu sur le dernier tournoi qui avait été organisé de la part de Shoot, du Game Campus, ce que j'avais trouvé un petit peu dommage, c'est qu'il y a des gens qui avaient créé d'autres persos pour participer à des catégories plus faibles, pour remporter les lots, parce que les lots étaient intéressants. Ça, je trouve ça dommage que ça existe sur le jeu. Donc, ça sert à rien de créer un compte avec un perso Albus pour essayer d'avoir les lots et vous charger la mule avec vos clubs et des choses comme ça. Que tout le monde participe au jeu et qu'il n'y ait pas de ce genre de triche. Les lots, de toute façon, n'existent pas. Mais là, de toute façon, dans cette partie-là, premièrement, pour l'instant, les catégories ne sont pas encore totalement définies. Ce n'est pas certain encore qu'il y ait une petite catégorie. Et s'il y en a une, ça sera sûrement, comme d'habitude, une loterie pour quand même pas oublier les débutants qui veulent participer au tournoi. Mais ça sera sûrement, comme c'était avant, une sorte de loterie pour choisir les gagnants au lieu de récompenser les meilleurs. Parce que c'est vrai que l'appât du gain peut forcer parfois à aller créer des comptes pour aller jouer. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'abus déjà, et c'est pas facile à la fin de savoir qu'est-ce qui est un réel abus, qui c'est qui a été aidé, qui c'est qui a juste créé un compte. C'est vrai que c'est impossible de faire la différence, et je suis pas non plus là pour faire l'arbitre du diable. Et donc du coup, c'est vrai que bon, pour ces petites catégories, sûrement rester sur un modèle de loterie pour les joueurs. Et après, à partir du niveau, à mon avis, niveau 41, je pense que c'est raisonnable, faire des catégories différentes. Et bon, c'est vrai que l'avantage, c'est que de cette manière-là, peut-être qu'en en attaquant les catégories à partir de 41, ça permettra d'étager un peu plus. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui passent le niveau 100, et ça permettra d'équilibrer un peu plus, même si c'est vrai que ça va râler, mais c'est pas toujours facile d'équilibrer, parce que il y a pas que les stats qui rentrent en jeu, les stats de base, il y a aussi tout ce qui est vêtements, clubs, enfin, etc. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours facile d'équilibrer, mais on s'approche petit à petit d'arriver à essayer de faire quelque chose équilibré.
parce que bon, parce que la solution la plus efficace au final serait de faire une catégorie pour chaque cumul de stats, mais ça c'est pas possible donc. Non, ça c'est impossible. Donc voilà, et ben. Sanga. Oui. Oui, je voudrais faire un, je voudrais envoyer un petit message. Enfin, j'ai deux messages à envoyer. Oui, envoie donc des messages. Donc j'ai mon pote Jo la Patate qui vient de passer LV103, donc je lui dis bravo, bravo, bravo. Ah, bravo. Ah, Jo la Patate qui nous a fait un passage la dernière fois dans l'émission juste avant, et c'était un vrai plaisir, donc bravo Jo la Patate pour ce level 103. Voilà, exactement. Et la deuxième chose, j'ai quand même une question à te poser concernant une particularité du jeu. Oui. Ça concerne les putters G. Les putters G, oui. Dis-moi donc. Ouais. Donc les putters G avec socket. Bon, les putters G, on les voit dans le jeu. Mm-hmm. Par contre, les gemmes XP, on n'arrive pas à les trouver. Donc oui. Et surtout ceux qui sont à plus 15 ou plus 20% de XP. Et la première chose, c'est pourquoi. Et la deuxième chose, pourquoi ne serait-il pas possible de les mettre dans des boîtes XP pour qu'elles arrivent aux enchères, pour que tout le monde puisse en bénéficier. Alors, la réponse du pourquoi, c'est... je vais pas mentir, c'est que... Pour l'instant, il y a énormément de games dans la boutique et on avait commencé par les diamants et par le reste. Et après, je pense que j'ai dû passer à autre chose. Et puis on a dû passer à autre chose. Il y a dû y avoir des nouveaux trucs et ça a dû nous sortir un peu de la tête. C'est quelque chose qui a été remis sur le tapis la dernière fois à la dernière émission, il me semble. Et c'était juste avant Noël, donc du coup, je partais le lendemain, un truc comme ça, ou la semaine d'après. Et du coup, ça n'avait pas été fait. Mais là, il y a vraiment rien qui empêche ça. Les objets sont dans le jeu. Pardon. je m'étouffe. Pardon. Ah bah alors. bois un petit coca, mais prends le. Alors, je bois un petit coca. Voilà, ça y est, je suis vivant. Donc, il y a vraiment aucune raison qu'il ne soit pas là. Donc après, je sais pas. Comment ils vont arriver, là faut vraiment que j'en discute ou que je vois comment c'est fait sur l'Allemagne. C'est soit ils sont en boîte, soit ils sont en achat direct, je sais pas du tout. Mais je vais voir avec le serveur allemand, voir comment ça se passe. Et il y a vraiment aucune raison qu'ils arrivent pas, parce que justement c'est un manque. Et c'est tout l'intérêt, par exemple, sur du putter, c'est très intéressant, les putters XP, de rajouter là-dessus. Bien. Parce que, à ce que j'ai compris... C'est que, par exemple, si vous avez un putter XP, 50% avec un game 20%, c'est pas 70% au total, parce qu'en fait, ça fait en deux étapes. Ça fait d'abord, ça prend en compte les 50% du putter, ça fait une somme d'XP, et après, de cette somme d'XP, il y a 20% encore qui sont ajoutés. Donc c'est pas 20% sur la somme d'XP de départ, c'est 20% supplémentaire par rapport aux 50% en plus. Donc c'est vrai que ça fait au final par rapport au gain de départ, ça fait plus que 70% si je calcule bien, mais je sais pas exactement. Donc c'est vrai que c'est très intéressant et ça va venir forcément. Donc il y a pas de souci. Et ça peut être envisageable dans les prochaines boîtes XP que tu pourrais mettre sur le jeu, quoi. Après, les boîtes XP, le problème, c'est qu'elles commencent à être déjà vraiment chargées. Surchargées en item, ouais. Donc, sinon, faudrait que tu fasses des boîtes comme les boîtes Torgia, c'est ça l'idée ? Alors, il y a les Torgia, ils sont en vente directe. Enfin, ils sont en vente directe, comme cette semaine, par exemple. Mm-hmm. Mais par exemple, sur le serveur allemand, les Torgia, ils sont pas en vente directe, ils sont que en boîte. D'accord. Et mais bon, du coup, si ça se trouve, il pourrait y avoir. Il faut vraiment, c'est vraiment à voir. Et je pense que ils vont arriver quoi qu'il arrive. Après, si c'est en boîte, il faudra attendre qu'il y ait une maintenance, parce que pour enregistrer des nouvelles boîtes dans le jeu, il faut une maintenance. Et même de toute façon, pour qu'ils soient ajoutés dans la boutique, là, vu que c'est pas créé dans la boutique et ils sont juste disponibles en jeu, il faudra forcément attendre une maintenance. Donc ça me semble pas prévu pour la
première de... Enfin, il faut voir parce que la maintenance n'est pas encore tout à fait préparée pour le 2 février. Donc, ça sera peut-être possible de l'ajouter pour le 2 février. Sinon, ça sera ajouté à la maintenance du, la maintenance du 15 février, juste avant l'émission d'après. D'accord. Ok, c'est cool. Donc, mais bon, ça, c'était quand j'ai vu, quand on a préparé, qu'il y a Bruno qui m'a posé cette question, j'ai dit, c'est vrai que là, c'est vraiment un oubli jusqu'à maintenant et ça sera résolu rapidement, il n'y a pas de problème. Sinon, voilà. dans le mois de janvier, c'est quoi les news? Alors, donc, ce week-end. Alors, le tournoi ce week-end, c'est vrai que, pour te dire, là, pour l'instant, j'ai pas trop de. Attention, on en a perdu. Donc il y a un tournoi ce week-end, il va y avoir, à partir de ce week-end, il y aura aussi le tournoi de guild. Après, il me semble qu'il y a peut-être quelques missions qui vont se préparer pour le week-end prochain. Et voilà, après je pense qu'on aura fait un peu le tour, parce qu'après il va falloir surtout, là je vais commencer à préparer le programme des amoureux pour la Saint-Valentin. Donc ça aussi, okay. Déjà tu confirmes que le 14 février, mission Saint-Valentin, comme habituel quoi. Alors, je confirme pas ça parce que je sais pas pour l'émission Saint-Valentin habituelle. Bon, ce que je peux confirmer, c'est que comme l'année dernière, il y aura sûrement une coupe des couples. D'accord. Où on fera un tournoi par pair où vous pourrez jouer avec votre dulciné ou avec un partenaire. Alors il y aura toujours, comme d'habitude, un petit bonus si vous êtes vraiment en couple dans la vraie vie, il y aura un petit bonus extra Saint-Valentin parce que c'est beau la Saint-Valentin, c'est beau l'amour. Mais bon, tout se prépare. Tout se prépare pour arriver avec la Saint-Valentin qui va se préparer. Et je pense que là, une grosse partie du mois de février va tourner autour de ça, parce que le top 32, c'était le top 32 Coupe des Couples l'année dernière. Non, c'était pas le top 32, c'est la Coupe des Couples, le top 32 c'était encore autre chose. Mais ça s'étale en général sur 3 semaines, un truc comme ça, donc je pense que ça va occuper une petite partie, et puis plus d'émissions, effectivement, je pense qu'il va y avoir des émissions... pour la Saint-Valentin, il y aura pas mal de trucs. On célébrera l'amour et plein de choses. D'accord. Et puis il y aura peut-être des petites toujours mes bêtises habituelles. D'ailleurs, il y avait un des événements qui avait bien marché l'année dernière, c'était un poème ou écrire un poème ou quelque chose comme ça. Ah, que notre pseudo très connu sur le jeu Lagarda nous avait fait un poème assez sympa, si je me souviens bien. Alors, Lagarda est une personne qui connaît beaucoup de monde, qui est connue sur le jeu comme le loup blanc, comme on dit, et qui, à l'époque de Radio Shoot Online, qui avait été créé par des joueurs de shoot, faisait son petit poème, pas tous les soirs, mais pas loin, quoi. Oh, bien. Waouh. Il avait la prose facile. Voilà, tout à fait. Bon, je viens de lire sur le chat de l'émission, je viens de lire que Pierre Max me fait souvenir au classement haché sur le forum. Pour ceux qui nous écoutent, il faut le faire. Il existait il y a quelques années, avant ton arrivée, Sanga, il existait sur le quelqu'un du jeu qui avait fait, je ne me rappelle plus du nom, qui avait créé un site où il y avait le top 50, comme le top 50 qu'on avait tous connu, nous, anciens, mais le top 50 des joueurs de shoot. Donc, Pierre a repris à peu près les mêmes bases, les mêmes coefficients, et il l'a réintégré sur le forum officiel. Donc, pensez à mettre vos screens de HC, mettez-le dedans pour l'enrichir et au maximum, et peut-être que, je ne sais pas, ça poussera un petit peu Game Campus à peut-être l'intégrer sur le jeu. Va-t-on savoir si, je ne sais pas si ça va être possible un jour, mais pourquoi pas. Si c'est possible un jour, je ne pense pas que ça sera vraiment sous cette forme. D'une part, parce qu'il n'y a pas vraiment de... Les coefficients appliqués, c'était vraiment... C'est à l'appréciation de la personne qui a créé ce HC. Il y avait eu un regroupement de joueurs qui avaient donné leur avis, qui avaient annoncé plus ou moins les coefficients de difficulté. Bon, maintenant, c'est, comme tu dis, c'est du aléatoire, c'est pas du technique. Donc voilà. Après, je pense que ce qui est
possiblement envisageable, je pense plutôt ça serait une somme DHC. Oui. Et du coup, c'est vrai que ça se jouera vraiment le top 50 sur les personnes qui auront DHC sur tous les parcours. Voilà. Parce que sinon, en cas de non HC sur un parcours, c'est un plus 28. Tout à fait. Donc, ça permettrait, parce que les HC, ce qu'il faut savoir, bon, là je parle pour ceux qui découvrent le jeu, qui connaissent pas spécialement le jeu, mais une information qu'il faut savoir, pour descendre son HC sur le jeu, c'est tout simple, il faut jouer sur Alphem et Sosori. Voilà les deux parcours qui sont pris en compte pour descendre le HC. C'est les deux parcours qui sont pris en compte, c'est plus compliqué que ça. Voilà. Tu vas me faire découvrir quelque chose que je ne connais pas. Alors, j'ai plus mon calepin. Alors, en fait, il y a deux types de HC. Il y a ce HC global que vous voyez quand vous attendez dans une salle d'attente, plus le HC sur chaque parcours. D'accord. Alors, le HC sur chaque parcours, c'est calculé de cette manière. C'est le score de votre parcours plus le HC actuel divisé par 2. Et ça vous donne votre HC. Donc, par exemple, si j'ai un HC de 28... Oui. J'ai un HC de 28, je fais un moins 14, alors ça fait 28 moins 14, ça fait 14, divisé par 2, ça fait 7, donc du coup, à la fin, sur ce parcours, j'aurai plus 7 de HC. La fois d'après, j'ai plus 7 de HC, je refais un moins 14, ça va faire 7 moins 14, ça va faire moins 7, que je divise par 2, ça fait 3,5. Et vu que mon HC d'avant était impair, ça va me faire, donc moins 3,5, ça va me faire moins 4 de HC. C'est ça, ouais. Voilà. Ça, c'est pour les HC particuliers. Voilà, et après, donc si c'est pair, ça arrondit en dessous, si c'est impair, ça arrondit au-dessus. Voilà, donc ça c'est pour les HC particuliers. Pour faire monter le HC global, c'est pour ça que ça marche très bien sur Alphheim et Sosori, c'est que c'est pris en compte à partir du moment où sur un parcours... Oula, on en a perdu. Hein. Là, on est en train de perdre... Non, je suis un peu malade, c'est pas grave. Voilà. Donc en fait, pour faire augmenter votre HC général, il faut déjà... dans un premier temps, il faut que sur un parcours, vous faites un score supérieur à ce HC. Enfin, meilleur que ce HC. C'est-à-dire, si vous avez un HC général de moins 10, si vous faites un moins 9 sur un parcours, ça ne touchera pas à votre HC général. Il faut au moins faire un moins 11 ou moins 12. Et encore, bah, suivant après la règle de diviser par 2, ça ne le fera pas forcément bouger. Mais par exemple, voilà, vous avez un HC général de moins 10... général, vous faites un moins 12 sur Alphheim, du coup ce moins 12 est pris en compte pour votre HC général, vous le divisez par 2, donc ça fait moins 22 divisé par 2, ça fait moins 11 de HC général, donc vous augmenterez de moins 1. Voilà, donc c'est pour cette raison que c'est plus facile de faire augmenter votre HC général sur Sosori et Alphheim, parce que c'est là où vous avez le plus de chances de poser des scores inférieurs à votre index ou à HC ou index. D'accord. Je ne sais pas. Enfin, je vois. Donc, c'est pour cette raison, parce que si vous avez, par exemple, cette valeur qui est de moins 22, par exemple, vous pouvez aller taper du City Park Royal, vous aurez beau faire des scores de folie, vous pourrez améliorer votre HC sur City Park Royal, mais si vous ne faites pas un meilleur score sur City Park Royal que votre HC général, ça ne le descendra pas. Donc même si vos HC par parcours descendent, le HC général ne descend pas forcément. D'accord. Okay. Voilà, c'était le... C'est clair. C'était clair. Bon, putain, parce que c'est... Pardon, je n'ai pas dit de gros mots. Non, parce que c'est vrai que j'ai... ça a mis un peu de temps à rentrer. Et je suis pas sûr que ce genre de truc est assez... comment dire... est assez clair dans la tête de tout le monde. Et effectivement, comme dit Peterson, un aspirine, s'il vous plaît, parce que c'est quand même assez indigeste comme explication. Mais bon, j'espère que c'est clair. Voilà, que dire de plus?
J'ai plein de choses à dire encore. Ah ben voilà. Allez, dis-nous, merci. On est à 2 heures d'émission, il faut pas trop. On n'est pas là pour battre le record de la dernière fois. C'est que le début de l'année. Non, c'est impossible. C'est impossible. Ah non, moi j'ai plein de choses à dire. Non, j'ai pas plein de choses à dire. Je voulais simplement dire que je suis vraiment content d'être dans ce jeu, que ma guilde fonctionne bien, et je leur fais plein de bisous à tous. Un bisou à ma chérie, évidemment. Et j'ai été ravi de pouvoir discuter comme ça avec toi. Et putain, venez chez la gang de malades, parce que vous allez pas la quitter. Vous venez, vous la quitterez pas. Il fait encore de la pub. Il a tout à fait raison. Moi, j'ai quitté les fondeurs pour aller chez les gangs. Et franchement, je regrette un peu les fondeurs, parce que c'était une grande famille et ils m'ont tout appris. Mais chez les gangs, ils m'apprennent l'amitié. Pour faire encore de la pub. C'est beau quand même. Ça fait plusieurs expériences. C'est bien de voir un peu partout. Après, c'est vrai que y a des affinités qui se créent. C'est pas pour ça qu'une guilde est moins bien que l'autre, mais c'est vrai qu'après c'est une ambiance, des affinités, des personnes spéciales qui fait que vous allez rester en telle guilde. Exact. Et c'est pour ça. C'est vrai que c'est bien. Prenez le temps, si vous êtes à la recherche d'une guilde, prenez le temps de jouer avec les personnes, de voir si vous entendez avec eux. C'est vrai que la course à la guilde, c'est pas forcément. C'est quand même important, parce que il y en a des personnes qui rentrent dans une guilde comme ça sans faire attention. Mais c'est une famille, et si vous rentrez dans une guilde juste pour être dans une guilde, vous pouvez peut-être casser quelque chose ou vous sentirez peut-être pas à votre aise. Et c'est là qu'il faut vraiment faire attention. Donc c'était la petite recommandation de Sangaren du soir. Cette émission vous est présentée avec la participation de Mythique. Alors il y en a plein des sites de rencontres, hein, mais franchement je vous conseille Shoot Online, c'est le meilleur. Ah ouais, c'est le plus beau, c'est le meilleur. Sinon, si je peux me permettre aussi, je voudrais aborder un sujet dans les nouveautés qu'il y a eu sur le jeu. C'est les choses qui appartiennent aux guildes. Les possibilités maintenant dans les guildes, vous avez un nouveau panneau. Donc je ne sais pas si tu avais prévu d'en parler. Écoute, je vais attraper mon... Je vais attraper mon personnage Sangaren qui est dans la guilde Games Campus. Et comme ça, je pourrai voir en même temps et en parler un tout petit peu. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler depuis que c'est arrivé. Alors, donc, pour ceux qui connaissent, qui appartiennent à une guilde, hein, ceux qui sont membres, vous ouvrez en faisant soit Alt-V, soit le petit icône qui est juste à côté de l'icône de boutique pour pouvoir ouvrir ce panneau. Donc, si je peux me permettre, donc dans le premier tableau, vous allez voir le gang de malades, la date de création du gang, les noms des sous-maîtres, les superviseurs, le nombre de membres qu'il y a dedans, et le nombre de points HP que vous retrouvez sur le forum dans le classement des guildes, ce qui vous permet de faire évoluer votre guilde de G jusqu'à S6, qui sont passés, les Magic Drivers, je crois. Oui, S6. Bravo à eux, d'ailleurs. Ça va jusqu'à S10. Vraiment c'est pas mal. Donc sur ce panneau là vous allez avoir plusieurs choses: historique de casier en partie en bas à gauche, et historique de guilde, donc les levels, les choses comme ça qui arrivent dans votre guilde. Donc même si vous n'êtes pas là pendant 2-3 jours, vous regardez ça, vous savez ce qui a été pris dans le casier, ce qui a été déposé. L'historique de guilde, ça vous permet de savoir les points GHP qui ont été utilisés, qui c'est qui est arrivé dans la guilde, s'il y a des nouveaux joueurs dans la guilde. Voilà le premier onglet, ce que ça donne. Après, le deuxième onglet, c'est l'onglet membre qu'on avait déjà, mais qui a été représenté différemment et avec les dates de présence. Donc, ça permet aussi aux maîtres de guilde, aux superviseurs ou sous-maîtres de voir un petit peu ceux qui sont là souvent et pouvoir les placer en régulier ou en associé pour pouvoir faire évoluer un peu la guilde. Et donc, dans ce panneau membre, il y a eu un post dernièrement sur le jeu, sur le forum, qui expliquait comment on allait sur introduction. Donc là, je montre en même temps. Introduction. Et dans introduction, vous avez le mode écrire. Donc en face de votre nom. Et oui, vous pouvez mettre un petit message.
voilà, un petit message en face, soit une présentation rapide, courte, soit dire, voilà, je suis, par exemple... je suis sans garenne, je me doute, parce que t'as ton nom à côté, mais tu peux mettre un petit truc qui fait marrer la guilde, une petite présentation courte et rapide. Donc voilà ce qu'on peut voir. Donc ça, c'est dans le panneau de membres. Après, dans le panneau coupon, ça vous permet de connaître les noms des maisons de guildes où on peut couponner. Enfin, les couponner sur des parcours qui n'ont pas de coupons, ça ne sert à rien. Ouais. Et avec le nom aussi bien de la maison et qui est le parcours correspondant et le nombre de coupons que la guilde a fait jusqu'à ce jour, quoi. Après, nous arrivons sur l'onglet Amitié, qui est une nouvelle fonction sur le jeu. Alors là, c'est par contre une fonction qui au départ était dure, puisque tu as reçu ça juste avant de partir en congé, si je me souviens. Ouais, c'est vrai que j'ai il a fait fallu ça. Ça un peu dur. Ils ont été sympas avec toi là sur ce coup-là. J'ai traduit de comment ça s'appelle d'une version. Donc en fait, la traduction, c'est la version coréenne qui est traduite en anglais et après je traduis de l'anglais au coréen. Sur ce coup-là, et forcément, il y a des descriptions, là on m'a repris sur le forum, c'est pour ça que je suis désolé, je tiens à le redire, les personnes qui ont mis leur parcours amitié, le même que le parcours de leur maison, vous pouvez changer, parce que comme on a expliqué sur le forum, ça n'a aucun intérêt, et voilà, donc je rembourserai les 30 millions qu'il y a en changeant de parcours, il n'y a pas de problème, c'est une erreur de traduction dans la description, voilà. Donc sur ça, vous choisissez le principe, c'est que vous choisissez votre parcours. Donc les guildes, vous choisissez un parcours que vous avez envie. Et après, il faut couponner. Donc vous n'êtes pas obligé de couponner spécialement sur le parcours que vous avez choisi d'amitié. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'avantage de cet onglet, c'est ceux qui n'ont pas de maison. Ça leur donne un plus, ça leur donne un pourcentage. Donc plus vous faites lever le niveau de votre guilde, de votre parcours amitié, plus vous allez gagner de pourcentage d'XP en plus sur ce parcours amitié. Et donc, par contre, après, à partir du niveau 7 de votre parcours amitié, se débloque le choix aléatoire. Donc, il est très intéressant. Et après, vous pouvez emmener votre parcours aléatoire jusqu'au niveau 21. Niveau 21, ouais. Change un nouveau parcours. Voilà, il y a la description dans la FAQ, de toute façon, en bas. Voilà, en passant la souris dessus, vous avez le détail. Le détail de tout ce qu'il y a pour le parcours amitié. Donc ça va jusqu'à 30% d'XP par parcours, qui est relativement intéressant. Donc ça fait que quand vous êtes au niveau 21, pendant 24 heures, en activant les deux parcours aléatoires plus le parcours amitié, vous avez trois parcours sur le jeu pendant 24 heures qui sont à plus 30% d'XP. Ce qui est relativement pas mal. Si en plus, par-dessus ça, vous ajoutez un événement de guilde avec les points GHP, par exemple, où vous voyez, par exemple... Dans l'onglet d'après. Voilà, dans l'onglet d'après, vous avez les points GHP et vous pouvez activer, par exemple, jusqu'à 15% d'XP. En plus, donc ça vous fait déjà un bon gain. Il y a moyen de faire des événements de guilde assez conséquents sur des week-ends, par exemple, qui sont vraiment pas mal. Donc, c'est un bon combo. Il y a moyen de faire le plein sur pas mal de parcours. Tout à fait. Et si par exemple vous avez des parcours et surtout c'est vrai c'est intéressant, si vous n'avez pas forcément de maison, vous pouvez avoir quand même un bonus sympa. Tout à fait. Surtout quand on est une petite guilde comme la nôtre, nous on est incapable d'aller chercher une maison couponner pour pouvoir obtenir une maison, aller prendre une maison à la guilde qui l'a déjà. Donc c'est pas mal, ça permet de faire des events assez intéressants dans la guilde. Donc dans l'onglet GHP, vous voyez les points GHP. Alors les points GHP, pour vous expliquer exactement comment on les gagne, c'est au moment où il y a le petit onglet comme on a actuellement, que vous voyez en bas à droite de votre écran, qui s'appelle GT. Et là, il apparaît deux fois dans la journée. Et donc pendant ce délai-là, il faut jouer en foursome ou en strop, en foursome, et vous rapporter des points GHP à la guilde en faisant un score négatif. Voilà. Ou zéro. Et après, il y a la deuxième manière, c'est ce qui s'appelle les points d'accès. C'est en fait que à chaque fois qu'il y a des membres de la guilde qui se connectent, les points d'accès augmentent et toutes les nuits, enfin toutes les 24 heures, les points d'accès sont convertis en GHP.
Donc voilà. Et après, il y a un tableau de pour convertir, je ne l'ai pas en tête, mais c'est vrai que plus le niveau de la guilde est élevé, plus les points d'accès sont divisés, en fait. C'est-à-dire qu'au début, les petites guildes, si on a 35 points d'accès, ils se transformeront en 35 points GHP. Mais après, plus ça va, plus ça diminue, c'est-à-dire que ça peut aller de moitié. C'est-à-dire on a 30 points GHP, on a 30 points d'accès, on n'a plus que 15 points GHP à la fin. En fait, c'est pour que, ben, pour exemple, une guilde qui est 150, comme ça, s'il y a les 150 qui se connectent, ben, ça remplit, ça va pas remplir 4 fois la jauge, quoi. Tout à fait. Donc, après, le principe, il... Oui. Ouais, j'ai une autre question. Oui. La dernière, après, je te fiche la paix. Ah non, mais il n'y a pas de problème. Non, je sais bien. Ça concerne les enchères. Oui, les enchères, dis-moi. Pourquoi les enchères sont si fortes? Elles ont diminué, je l'admets, mais elles sont vraiment trop fortes. Ah ben ça, après c'est à la charge. En ce qui me concerne, j'ai pas de souci avec ça, mais alors pour les LV moyens de ma guilde ou petits ou moyens, c'est compliqué. Ben c'est vrai que les enchères, après c'est y a aucun contrôle possible là-dessus. C'est vrai que c'est même on a pu le voir avec pas mal de des 20 missions que même en injectant quand même un certain nombre d'objets, ça fait pas forcément baisser. C'est vraiment, je pense que c'est plutôt une histoire de mentalité qu'il faut installer, ouais, parce que il y a des prix de base qui sont déjà élevés ou des prix de réserve qui sont très élevés, et ça marchera pas dans un sens ou dans l'autre. C'est pas parce qu'il y aura la grève des acheteurs ou il y aura des vendeurs qui diront ben moi je mets ce prix là et puis tant pis. Il faut vraiment que ça vienne, à mon avis, d'un élan général où petit à petit ça va commencer à baisser. J'avais fait des essais, moi par exemple, où j'avais mis tous mes objets à 1000 NG et sans achat immédiat. Et au final, les objets s'étaient vendus dans la fourchette habituelle, c'est-à-dire faut... Moi, c'est vrai que j'insiste. Enfin, je voudrais inviter les personnes à tenter de faire ça. Vous avez peut-être pas l'assurance de le vendre aussi cher que si, mais au moins vous ferez une vraie enchère. Vous laisserez le prix grossir et au final, ben, ça, vous allez pas perdre tant que ça. Et voilà quoi. Moi, je pense que c'est vraiment le but des enchères. Pour le mieux, en fait, c'est vraiment pour supprimer ça, il faudrait virer le système de prix de réserve et le prix d'achat immédiat. Mais bon, ça va pas arriver parce que bon, c'est quand même pratique de pouvoir faire des ventes immédiates aux enchères. Mais bon, voilà. Je pense qu'il y a pas de solution. Je pense qu'il y a pas de solution miracle pour les enchères. Ça fonctionne tout seul. C'est vrai que c'est géré par les joueurs et c'est les joueurs qui font la balance sur les enchères. Donc ça va. Mais pour les petits élevés, c'est compliqué quand même, je trouve. Ah, mais ça. Bah après, ça, je pense que ça reste pareil dans tous les jeux. Les enchères, c'est quand même un endroit où les prix grimpent et que de toute façon, en arrivant, en étant un débutant. Les enchères dans n'importe quel jeu en ligne, c'est un endroit qui est très peu abordable. Donc c'est pas vraiment une surprise, mais bon, c'est vrai que c'est quand même un sentiment général qu'il y a quand même des trucs qui sont un peu abusés. Donc voilà, c'est un truc qui va à mon avis qui va changer petit à petit, mais il faut le temps que ça vienne. Ça, le problème, c'est la spéculation a toujours existé, existera toujours, malheureusement. C'est vrai que bon, faire évoluer la mentalité là-dessus, je pense que c'est un combat difficile, quoi. Mais bon, à voir. Et oui. Mais écoutez, après, bon, pour enchaîner un peu, j'ai cru voir passer dans le chat un peu sur la fusion des Magaïa. La fusion des Magaïa, c'est pareil. J'en avais parlé un peu sur le forum. J'ai vu aussi, oui. J'en avais parlé un peu sur le forum. Donc, c'est arrivé il y a un mois et demi, deux mois. Enfin, un mois et demi, ouais, c'est un peu avant les fêtes, en Allemagne.
Et il y a eu quelques soucis au début, donc c'est bien qu'il y ait eu des soucis, parce que les soucis, ça veut dire qu'ils les règlent, et ça voudra dire que nous, normalement, on aura moins de soucis. Et à mon avis, ça va pas trop tarder. Je sais pas si ça sera pour... ça sera pas pour janvier, c'est sûr, mais février-mars, à mon avis, il y aura la combinaison des magaies. Donc pour vous expliquer vite fait comment ça s'est passé, c'était pendant une maintenance, les Mageia D plus D ont été remplacés par des Mageia N, c'est-à-dire que on retire les Mageia D pour éviter les confusions en fait, et on les remplace par des Mageia N. Et après, c'est tous les Mageia D2, D3, D4, D5 ou c'est que les... Alors, y a toutes les versions en N, mais pour la fusion, à ce que j'ai compris, ça fait que de la fusion avec les D2. D'accord. Donc voilà, il y a tout un système que je connais pas, j'ai pas trop travaillé encore, je connais pas trop en détail, mais il y a des systèmes de il y a des tickets pour assurer une certaine réussite. En fait, c'est assez compliqué. Il faut que je vois ça en détail pour pouvoir expliquer mieux et pas me planter. Tu feras une information sur le sujet dès que ça... Parce que je sais que c'est quand même quelque chose qui est relativement attendu, donc je vais pas me faire prier pour annoncer dès que j'aurai des nouvelles sur la date d'arrivée. Et voilà, donc c'est quelque chose qui est prévu pour dans pas longtemps. Comme je dis, c'est vrai qu'en général, on a l'avantage ici, c'est vrai que par rapport aux autres serveurs, on a l'avantage de passer juste derrière l'Allemagne. Donc bon, il y en a qui disent qu'on est un peu en retard. Moi, c'est vrai que je trouve ça relativement confortable, parce que ils ont énormément de problèmes sur des premières versions qui règlent, et qu'après, quand ça arrive chez nous, on a un truc clean, quoi. On n'a pas besoin d'y repasser, on a moins de bugs, et c'est quand même un confort certain, autant pour vous que pour moi. Donc c'est vrai que ça a pas que des points négatifs d'être un tout petit peu en retard par rapport au serveur allemand. Dans la continuité des choses qui peuvent arriver, le mode à chaque fois on t'en parle. Le Swift Stroke, le fameux. C'est... Ah bah oui, quand même, c'est important ça. C'est comment on appelle ça, lui? Ah ouais, c'est le Yeti, ce mode-là. Alors, oui. C'est vrai que... Pour vous dire, moi j'en parle peut-être autant que vous en parlez, de mon côté. C'est vrai que c'est un peu flou. Il me semble que ça a été réintégré après avoir été enlevé, je sais plus, ça avait été enlevé de tous les serveurs et ça a été réintégré sur un ou deux serveurs, mais réintégré avec toujours des problèmes sur je sais plus trop quoi. Et donc du coup, ben pour l'instant, je suis un peu dans le flou de mon côté, donc je vais pas vous dire de bêtises, je sais pas du tout quand ça va arriver, mais j'espère que ça arrivera, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Moi je l'avais testé sur le serveur français, sur le serveur de test, et c'est vrai qu'il y avait eu énormément de problèmes au test. Ce que tu avais annoncé, c'est que ça faisait une gueule, ça te prenait part ou un truc. Pour vous dire, ça date vraiment, parce que ça, c'était un mode qui devait être mis en place à la grosse maintenance de février 2011. C'est quand on est passé à la grosse version de Shot Online, ça devait être, et ça a été retiré au dernier moment. Et il me semble même que ça avait été annoncé dans l'annonce de la maintenance, et que ça avait été retiré vraiment au dernier moment. Moi, j'avais passé la nuit à tester. J'avais dormi sur mon siège devant mon écran. Je vous dis pas l'état où j'étais, parce que je m'étais arraché les cheveux sur ce mode Swiftstroke, à pas comprendre comment ça calculait, parce que j'avais des trucs qui étaient complètement aléatoires, quoi. Et voilà. Et donc du coup, ça avait été retiré au dernier moment. Et depuis, pas vraiment de nouvelles pour le serveur français, malheureusement. Et bon, c'est toujours d'actualité pour moi. Je suis toujours derrière ça, parce que c'est quand même un mode qui reste intéressant. Ça permet de faire du stroke et pas du foursome, tout aussi rapidement que du foursome, quoi. Donc pour ceux qui connaissent pas, ça permet, tout le monde joue en même temps jusqu'au putt, et après on putt chacun son tour. Mais c'est à dire que toute l'approche jusqu'au putt est fait en simultané pour les 4 joueurs,
et c'est ce qui prend le plus de temps, quoi. Donc, tout à fait. C'est-à-dire qu'une partie, pour expliquer, c'est qu'un stroke normal, c'est 30 minutes, une personne tout seul. Un stroke à 4, c'est 2 heures, voire 2 heures et demie. Là, le mode de switch, on revient à 45 minutes, quoi. 45 minutes, 1 heure à 4. Donc, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et l'avantage, c'est que ça nous permet de pouvoir couponner pour les parcours amitiés, des choses comme ça aussi, ça peut être aussi intéressant. C'est pour ça qu'il est très très attendu, ce mode. Et oui, oui, je comprends bien. Mais c'est mon petit fil rouge perso, donc vous inquiétez pas. On te fait confiance. Suis-le. Ah, je le suis. Ben, je le tire depuis un moment, mais bon, il vient jamais celui-là. Mais c'est vrai que bon, je baisse pas les bras parce que bon, c'est vrai que ça fait un moment, mais il y a des trucs qui mettent un peu de temps. Et qui arrive à se résoudre au bout d'un moment. Je prends par exemple, il y avait un bug sur les NG qui se perdaient dans les casiers. C'est un bug qui avait failli fêter ses 1 an et au final, il est arrivé. Il a été résolu quasiment avant son anniversaire. Il y a des petits trucs comme ça, des petits bugs qui sont tellement petits en fait que les développeurs s'arrachent les cheveux dessus pendant des mois et des mois. Ouais, et ça touche très peu de joueurs, donc voilà. Quoi. Et oui, donc et c'est vraiment des, en fait c'est surtout parce que ça touche des exceptions dans l'utilisation du mode et c'est pour ça que il y a beaucoup de joueurs qui disaient ouais mais le Swiftstroke il y a pas de problème et en fait si il y a des problèmes mais c'est parce que ça touche des très rares exceptions et ces très rares exceptions ben ça reste quand même des problèmes et qu'il faut arriver à traiter et voilà donc. Ça arrivera, et j'espère rapidement, mais bon, je peux pas le promettre, donc je préfère ne rien dire. Sinon, je voudrais aborder aussi un autre sujet, c'est-à-dire par rapport au forum, parce que là, moi, ça va faire 15 jours, 3 semaines, où j'ai un maximum de monde, aussi bien chez mes collègues que moi-même, qui m'interroge sur le score, c'est comment s'inscrire sur le forum. Alors, il y a eu un petit tuto de fait par Sangha. Il a fait un beau petit tuto facile à comprendre. Donc, lisez le forum, même si vous n'avez pas accès, si vous n'êtes pas inscrit sur le forum, vous pouvez lire ce tuto. Donc, allez-y, allez sur le forum et lisez le tuto et vous allez voir, c'est tout simple pour s'inscrire. Hier soir encore, en pleine partie, on m'a demandé d'expliquer. J'ai expliqué à la personne en écrivant en MP. Il avait un deuxième ordi, il l'a fait en direct et il a réussi à se connecter en suivant le tuto ligne par ligne et suivez bien chaque ligne. Comme ça nous donne. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, les sommes, on est des joueurs comme vous, on est individuels, on n'est pas payé par Game Campus. Ça, je le redis, parce qu'il y en a certains qui s'amusent à dire qu'on est salariés de Game Campus et, ou qui croient qu'on est salariés de Game Campus, donc ils se permettent de nous déranger en pleine partie, en pleine chose comme ça, en nous disant ouais, c'est pas normal. Donc, sachez les choses. Il y a un forum, vous pouvez y accéder sans être inscrit et suivez bien ce tuto et après vous pourrez vous inscrire correctement. Voilà. Voilà. Donc les problèmes les plus courants en général, c'est par exemple des personnes qui s'étaient inscrites un peu et à un moment on a eu une migration de forum et il y a eu des pour certains joueurs qui avaient des mots de passe un peu spéciaux, il y a eu un problème dans la conversion des mots de passe parce que les mots de passe sont tous cryptés et les méthodes de cryptage n'étaient pas les mêmes sur les deux forums et du coup de temps en temps pour certains joueurs ça a complètement foiré leur mot de passe et c'est pour ça qu'ils n'ont plus accès au forum et le tuto explique comment réinitialiser le mot de passe du forum simplement et voilà donc c'est le problème le plus commun. Et après, il y a d'autres problèmes. Il y a par exemple des personnes qui s'étaient pas connectées au forum depuis encore plus longtemps avant la. Parce qu'il y a eu 2 migrations de forum et qui s'étaient pas connectées depuis la première migration. Et du coup, ils n'ont pas leur pseudo qui est rentré dans le forum. Donc ça, il suffit de contacter le support en cas de problème qui insiste. Et ça, le support peut checker rapidement. Il y a 2-3 questions pour essayer de raccorder un peu le tout. Et puis ça s'arrange assez rapidement maintenant que le support a toutes les clés en main. Pour pouvoir répondre à ce genre de demande, ça se résout assez rapidement. Donc si vous avez des problèmes avec le support, n'hésitez pas. Avec le forum. N'hésitez pas à envoyer un petit message au support. Donc voilà, après dans les nouveautés, il y a
des choses qui risquent d'arriver en nouveaux items, des choses comme ça. Alors, j'en connais un, mais je le garde secret. J'aurais tenté. Désolé ceux qui nous ont... Bien joué, Bruno. C'est une amélioration de quelque chose qui existe déjà et que les joueurs aiment beaucoup, donc c'est une amélioration qui va arriver. Et je pense que ça plaira. On parlait des games XP tout à l'heure. Je pense que bon, voilà. Je ne dirais que ça. D'accord, ok. Déjà, tu en as déjà dit bien. C'est sympa. Ça veut dire qu'il y a un nouveau truc qui va arriver. On aime bien les nouveaux items. C'est pas vraiment une nouveauté, c'est une évolution. Donc voilà. Je dis évolution qui existe ailleurs. Je dis évolution, game. Alors, bon. Après, ça c'est surtout pour les objets. Et puis, là, j'ai été très mauvais élève. J'ai pas de tête tous les trucs qui vont arriver. Mais bon, on peut dire que les games XP, ça va être réglé rapidement. Il faut que je m'en occupe. Et voilà. Pour faire un résumé de ton arrivée sur le jeu, la première année était difficile, tant de te mettre en place et tout ça, la deuxième année était pas mal, et l'année 2012 va être parfaite. Maintenant que tu connais parfaitement le jeu et tout ça, tu vas pouvoir nous faire des events, des missions, des items à fond. C'est vrai que je vais essayer de m'améliorer un petit peu, mais bon, aussi, parce que c'est vrai que je vais pas avoir beaucoup plus de temps en 2012 qu'en 2011, donc à mon avis ça sera à peu près du même niveau, mais il y aura peut-être pas toutes les petites erreurs de débutant qu'il y a pu avoir. Je suis sûr que l'année 2012 sera mieux que l'année 2011. Non, mais ça, normalement il y a pas de problème vu ce que tu nous annonces et vu à force maintenant ça va faire bientôt un an que je suis avec vous. T'as quand même bien évolué quand même dans le bon sens. Mais moi j'évolue, je suis la bête de la communauté. Mais bon, change voilà. Pas, c'est bien, j'aime beaucoup ce qui se passe et continue comme ça. Bon. Ben, écoutez, je pense que on a fait à peu près le tour, et puis sinon on va s'étaler pendant encore une demi-heure et on arriverait à la durée de l'épisode belge, et ça non, je veux éviter. Non. Donc je pense qu'on peut conclure là-dessus, parce que je pense que vous commencez à avoir faim, enfin au moins moi j'ai faim, il est presque 9h et tu peux pas sangin. Ça c'est ma phrase fétiche. Alors, oui, c'est-à-dire j'ai faim. Alors, dans ma guilde, je fais des infos guildes et je dis j'ai faim, parce que j'ai toujours faim. Voilà. Donc, c'est lui qui aura dit ça fait balou, pas moi. Tu piques pas ma phrase, s'il te plaît. Ah non, bon. Bon, je n'ai pas faim, je n'ai pas soif. Oh, c'est surprenant ça. Ah bah écoute, on m'a dit de pas dire les phrases que vous êtes susceptible de dire, donc. En tout cas, c'est une bonne émission. Eh ben, écoutez, moi, je pense que c'est une bonne émission pour démarrer 2012. Comme toujours, cette émission sera disponible prochainement sur YouTube, en différé. Si vous l'avez pas vue en totalité, vous pourrez la revoir ou vous pourrez la partager avec vos amis sur Facebook, sur Twitter, partout, sur Google+ aussi, pourquoi pas. Une fois qu'elle sera disponible sur YouTube. Et puis voilà, moi je vais faire un petit peu ma pub pour moi. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, à nous rejoindre sur notre page Facebook, sur notre Twitter aussi. Il y a des gens très actifs sur Twitter. Moi je me régale sur Twitter avec les joueurs qui sont sur Twitter. C'est toujours très marrant ces petites discussions. Et sur Facebook aussi, on est presque 1000. On a passé les 900 la dernière fois. Et on est presque 1000. Le jour où on passe les 1000, on va faire la fête, on va faire une émission spéciale, 1000 personnes sur Facebook, je ne sais pas, mais on va retourner la baraque. Et 93 personnes. Donc 93 personnes pour arriver aux 1000. Et voilà, donc
Si vous avez des amis, invitez-les, on s'amuse sur Shot Online, c'est la fête, on fait des couples, on vous pouvez trouver l'âme sœur sur Shot Online. Vous pouvez faire un tournoi de guilde jusqu'à demain si vous arrivez à vous inscrire. Vous pouvez tout faire. Shot Online, c'est merveilleux. Shot Online, c'est magnifique. Shot Online, mangez-en. Et voilà. Et vous avez un petit peu de pub à faire. Forum, Twitter, Facebook. Je ne sais pas si vous avez une page Facebook pour votre guilde ou quelque chose. Alors, il n'y a pas de page Facebook. Mais vous avez un forum. J'invite tout le monde. J'invite ceux qui ont envie de nous rejoindre à faire l'approche et puis voilà quoi. Ils découvriront et s'ils aiment, ils resteront avec nous. Et je redis encore, ceux qui sont rentrés chez nous sont toujours là. Voilà. Bon. Donc je vais redire l'adresse des gangs de malades. Donc, gang de malades en minuscule, tout attaché avec un S à malade, .forumgratuit.fr. Et ça, c'est le forum du gang. Et moi, j'ai créé mon propre forum à moi à l'époque, avec des petites astuces de certains parcours. Donc c'est brunocia.forumgratuit.fr. Yes. Voilà. Super. Bon, écoutez... je sais que Bruno CIA2 est sur Twitter aussi, c'est @BrunoCIA2. Il s'est inscrit la dernière fois pour gagner des lots. Tout à fait, parce que tu avais lancé. Alors là, il fallait vraiment avoir le coup de bol, être connecté au bon moment et voir la petite phrase sur Facebook et après sur Twitter. Pour pouvoir gagner ces lots, j'ai eu la chance de gagner une boîte XP. Je te remercie d'ailleurs. Comme aussi, je voudrais remercier au nom de beaucoup de joueurs. Tu commences à avoir des messages sur le forum. La compensation sur le petit bug qu'il y a eu sur les boîtes Gotia. Franchement, merci, parce que tu as bien compensé l'erreur qu'il y avait eu. Ouais, c'est clair. Bravo. Je tenais à te le dire. Donc, tu sais faire ce qu'il faut pour. Quand tu vois qu'il y a eu une erreur, tu sais la reconnaître et faire ce qu'il faut pour que tout le monde soit content. Mais comme c'est important et c'est comme bon. comme je disais, surtout là c'était pas vraiment une erreur. C'est vrai que bon, il y avait pas de j'étais pas là quoi et du coup les personnes présentes ont fait dans l'urgence une solution de secours pour quand même donner des compensations à toutes les personnes qui avaient acheté des boîtes. Donc ça a été la méthode la plus simple de calculer pour ça. Et du coup, c'est pour ça, c'était sûr qu'il allait avoir un ajustement derrière. C'était prévu. Bon, ça a peut-être pas été annoncé, mais bon, moi, de la manière où on m'a dit quand je suis arrivé, de retour, on m'a dit, bon, il y a eu un souci, mais bon, t'inquiète, on te donne du boulot déjà maintenant, il va falloir que tu regardes un peu. Donc, c'est vrai que c'était pas, c'est l'erreur à la base. Bon, pour la boîte, c'est vrai que bon, ça arrive, malheureusement. C'est vrai que c'est grave dans ce cas-là que ça arrive. C'est revenu dans l'ordre. J'espère que bon, personne n'en tiendra trop rigueur. Et voilà. Bon. En tout cas, merci Sanga, tu fais ce qu'il faut et il faut le dire. Voilà, bravo. Mais on s'amuse, c'est beau. Moi, j'adore. Moi, c'est surtout plus en. Je me mets à faire des vidéos, des trucs comme ça. Moi, c'est un truc qui me régale. Si je pouvais faire que ça tout le temps, ça me plairait à fond, quoi. Mais bon, malheureusement, j'ai un vrai boulot à côté. Je ne fais pas que faire le pitre sur un live à 9h du soir. Mais voilà. Donc voilà, je redis pour finir. Donc c'est facebook.com/shotonlinefrance pour la page Facebook. Et c'est aussi @shotonlinefr sur Twitter. Et sur YouTube aussi, vous pouvez retrouver tous les tutoriels et les émissions sur youtube.com/shotonlinefrance. Et voilà, je pense qu'on a à peu près tout fait le tour. Allez-y, mangez-en. Et puis, Tu connais déjà la prochaine guilde qui vient à la prochaine émission ou pas encore? Non, je sais que j'ai une personne en attente. Je suis désolé si tu es dans la chatroom, la personne qui m'a contacté. Ah si, je crois que c'est Jaja. Jarod 82 des Gaulois. Voilà les Gaulois, voilà, ça y est, ça m'est revenu. Donc il va falloir que je contacte Jarod pour l'émission du 2, ça sera le, je sais plus quand c'est que c'est. Il me semble que c'est ça sera le 2. Oui, le 2 février, va falloir que je prépare ça avec Jaja.
pour grand actif sur la page Facebook. J'ai peur que ça dure des plombes parce qu'il a l'air d'être bavard, Jaja. Et alors Jarod, pour t'expliquer, c'est quelqu'un qui est très présent sur le square, qui participe, qui a plein d'idées et qui veut faire plein de choses et qui a des combats personnels dans le sens des enchères trop chères. Il offre des clubs. C'est quelqu'un de génial et bon, je raconterai pas sa vie, mais c'est un militant. Voilà, C'est un militant et je peux te dire que, sans en dire trop sur sa vie, il mène un combat personnel actuellement. Et franchement, oui. Avoir la pêche qu'il a en menant ce combat, bravo à lui. Bravo à lui. Et encore félicitations pour ton petit Jaja. Parce que, J'ai vu qu'il avait eu un petit Jaja. D'ailleurs, félicitations aussi. Bravo. Donc, le 1er janvier en plus. Et franchement, je les ai rencontrés dans la vie et c'est des gens... qu'on aimerait rencontrer partout. Ça, c'est un gars qui a un cœur énorme. Je parle encore d'amour, mais ce mec-là, c'est un mec à rencontrer. Voilà. Donc, pour la prochaine émission, écoutez-la parce que ce gars-là va vous en apprendre et va vous. Franchement, si vous versez pas votre larme à la fin de l'émission avec ce gars-là, c'est que vous avez pas de cœur. Et Bruno. Donc, la prochaine émission s'annonce belle. Je voulais juste dire que si Bruno parle d'amour, c'est que dans la gang, on parle que de ça, quoi. Voilà. L'amour avant tout, le contact, on s'apprécie et venez nous voir. Allez. Bon, eh ben écoutez, je pense que on va conclure sur ça, une touche d'amour. Rendez-vous pour tous les joueurs qui ont envie de découvrir les gangs de malades. N'hésitez pas à aller voir soit Merce ou soit Bruno Seiya. Sur le square ou même toutes les personnes, à mon avis c'est une grande famille, donc vous pouvez aller voir un peu tout le monde sur le square avec le logo Gang de Malades. Faites une partie avec eux, appréciez-les et voilà. Donc je vous dis à très bientôt sur la prochaine émission de Shot On Live, donc le 2 janvier. Donc il va falloir que je confirme avec Mister Jaja pour la prochaine mais à mon avis je pense qu'il était très très motivé pour la faire, donc voilà. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée à tous, très bon swing et à très bientôt. Ciao ciao. À bientôt. Ciao ciao ciao.